As an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Un ancien salarié de la centrale nucléaire de Brunswick-Renis, militant de la CGT des années 70, il s'est élevé contre la construction des 50 réacteurs sur le sol français. Aujourd'hui, il suit de près le démantèlement de Brunswick. Bernard Lapon, je suis pas sûr qu'on doit le présenter correctement, parce que c'est tellement chaud. Polytechnicien, docteur en sciences en physique des réacteurs nucléaires, docteur en économie d'énergie, responsable de la CGT des années 70. Directeur de l'agence de l'énergie de 82 à 87, conseiller technique de Denis Bonnet 98 à 99, cofondateur de l'association Global Chance, consultant international dans le domaine de l'énergie, nombreuses interventions et publications sur le démantèlement. Dominique Malvaux, militant NPA et à Subral, et à Stop Nucléaire Romain Brèche. En première ligne pour parler des démantèlements en cours à Marcoule, du vieux site nucléaire de France avec trois graphites gaz et Phoenix et au Tricastin, Georges Bess 1. Barbara Romagnan, députée socialiste de la 3e circonscription du Doubs de 2012 à 2017, a quitté le PS pour le mouvement du 1er juillet, participe à cet atelier comme rapporteur du rapport parlementaire d'information sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires de base. Et pour terminer, Roland Desborgues, qui est donc le président de PERAD depuis 20 ans, PERAD, un laboratoire qui est agréé dans les mesures de radioactivité et met à disposition de nombreuses informations permettant de lutter contre la loi du silence en milieu nucléaire officiel. Voilà. Je ne sais pas qui commence. C'est moi normalement. C'est toi normalement. Mais pas du temps là. Vous branchez quand vous faites chercher le beamer. S'il y a besoin
de traduction en anglais et espagnol, vous pouvez vous mettre à côté de... Il faut vous chuchoter... Any English speaking who needs translation? Raise hands. Nobody? Il y avait des gens qui parlaient. Bon, n'étant pas les esclaves de la technique, nous allons nous passer. Microphone. Mais tu veux prendre le micro quand même. Micro. C'est mieux quand même avec le micro. C'est impossible. Le démantèlement des centrales nucléaires. En fait, ce qu'on appelle démantèlement, c'est du fait qu'il y a eu énormément d'installations, d'usines, de laboratoires, etc. Dans la recherche, et y compris les applications médicales, par exemple, dans lesquelles tout ce milieu, tous ces lieux ont été plein de radioactivité, plus ou moins, des degrés divers, plein de radioactivité. Et donc, quand ils ont été fermés, ou bien, dans le passé, très souvent, on a laissé les choses dans l'état, et on retrouve aujourd'hui des endroits où on découvre que ça a été un ancien laboratoire d'écurie et d'autres, et que le terrain est radioactif, et à ce moment-là, on doit décontaminer, enlever la terre, etc. Et donc, le démantèlement, c'est ça que ça veut dire, ça, c'est-à-dire des installations qui sont radioactives, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on les détruit? Si on les détruit, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, etc. Et cette liste d'installations est colossale. Vous avez les laboratoires, les réacteurs de recherche dans les centres nucléaires ou ailleurs. Vous avez les sites militaires, donc développés absolument toutes les industries d'enrichissement d'uranium, de production du plutonium et de fabrication des bombes, les bateaux et les sous-marins dits atomiques, sous-marins nucléaires et les porte-avions par exemple, les activités de tout le combustible nucléaire depuis l'origine, c'est-à-dire les mines d'uranium, dans lesquelles il y a des résidus des mines qui sont radioactifs, il y a la conversion de l'uranium, dans laquelle vous passez du minerai d'uranium à un gaz fluorure d'uranium pour l'enrichissement, ça c'est dans le sud de la France, quand on parle de la France, les usines d'enrichissement d'uranium, la fabrication des combustibles, vous voyez toutes ces usines qui sont un peu dispersées un peu partout, dans les pays étrangers ou en France, les usines de retraitement des combustibles irradiés, en France, Marcoule et La Hague, et les centrales nucléaires productrices d'électricité. Donc, si on veut aborder l'ensemble du problème du démantèlement, c'est sans fin. On devrait bien plus un atelier. Donc là, on va essayer aujourd'hui, plus modestement, de traiter la question du démantèlement des centrales nucléaires productrices d'électricité, qui est une partie très importante de cette affaire. Et par exemple, le cauchemar, c'est le démantèlement des usines de retraitement. Alors, personne n'en a encore jamais fait, mais enfin, c'est un problème extrêmement important. Pour les centrales nucléaires, c'est relativement plus simple, parce que les différentes installations sont assez semblables entre elles-mêmes, qu'elles soient en France, aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Si on regarde la situation au monde de ces réacteurs nucléaires qui alimentent en chaleur la centrale nucléaire, il y a 441 réacteurs qui sont reliés au réseau, au monde. Il n'y en a que 403 qui sont en fonctionnement, puisqu'il y en a 48 qui sont arrêtés au Japon. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de ce qu'il va falloir démanteler. Et il y a à peu près 150 réacteurs de puissance et expérimentaux, c'est-à-dire les réacteurs des centrales nucléaires. Il y a un certain nombre de réacteurs qui sont de taille importante, mais qui ne sont pas consacrés à la production d'électricité. Il y en a 150, donc toutes ces 150 sont arrêtées
quelquefois depuis longtemps. Et donc la question se pose, est-ce qu'ils sont démantelés, de quelle façon, ou est-ce qu'ils sont toujours en attente de démantèlement? Alors, quels sont, alors, une fois qu'on a expliqué cette histoire, un peu la définition du démantèlement, il y a plusieurs options. Qu'est-ce qu'on fait avec une centrale nucléaire qui est arrêtée? Alors ça peut être superphénique, ça peut être des centrales qui existent aujourd'hui. Et quelles sont les trois options du démantèlement? La première, qu'on appelle le démantèlement, c'est de démolir et nettoyer l'installation, démolir et nettoyer. Alors quand c'est un immeuble non radioactif, c'est connu, c'est relativement facile. Quand c'est radioactif, c'est plus facile. De façon à libérer le terrain pour qu'il soit apte à d'autres usages. Vous voyez bien la différence. On détruit les bâtiments, on évacue éventuellement un bâtiment normal, on évacue tous les débris, et puis le terrain est à nouveau disponible. Là, le problème est plus compliqué, parce que déjà, tout le matériel qu'on a détruit est radioactif, à des degrés divers, et en plus, le terrain peut être contaminé. Alors, il y a trois options qu'un pays ou une entreprise peut choisir. La première, c'est le démantèlement immédiat, ça s'appelle DECON, Decontamination, DECON aux États-Unis, où là, après l'arrêt définitif de l'installation, en général, on attend un certain temps, on enlève le combustible, on démolit les bâtiments, on fait la décontamination complète du site, et ce qu'on appelle ça le démantèlement immédiat, l'immédiat pouvant durer de 20 à 30 ans quand tout va bien. Donc ça c'était démantèlement immédiat. Le deuxième c'est le démantèlement différé ou fermeture sécurisée. Les deux termes sont utilisés et ça s'appelle Safe Store en américain. J'utilise le mot américain parce qu'en fait c'est aux États-Unis qui a la plus grande expérience de ces opérations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Les réacteurs, là où il y a le plus de radioactivité, c'est dans les combustibles irradiés qui sont à l'intérieur du réacteur. Donc on décharge l'ensemble de ce combustible irradié. Comme il est très radioactif et très chaud, on le met dans des piscines de stockage qui sont à côté du réacteur, qui ont été récemment illustrées par les opérations de Greenpeace. Donc on met les combustibles irradiés dans ces piscines, on attend quelques années de toute façon à ce que ça décroisse, et on met ces combustibles irradiés ailleurs, soit dans des stockages particuliers, soit en France, on les envoie à la Hague. Donc on a enlevé le plus gros de la radioactivité. Ensuite, on vidange les circuits. Ce qui peut être facile, c'est le circuit de refroidissement, c'est de l'eau. C'est beaucoup plus compliqué dans le cas de superphénique, c'est du sodium. Mais nous, on va surtout regarder les centrales nucléaires à eau. Et après, on doit démolir les bâtiments, mais en faisant attention chaque fois, ça pose le problème important des conditions de travail, c'est-à-dire que chaque fois, on s'attaque à des milieux plus ou moins radioactifs. Alors, il y a de certains matériaux, les bâtiments, etc., qui sont peu radioactifs ou pas du tout radioactifs. Et puis, au plus, au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur du réacteur, même si on a enlevé le combustible, on a des matériaux de plus en plus radioactifs. Donc, on attend, on enlève le combustible, on vidange, on protège l'installation, on ne touche pas à ce qui est au reste, c'est-à-dire aux parties radioactives, et on attend un certain temps, et plus ou moins limité dans le temps, de façon à ce que la radioactivité décroisse suffisamment pour que ça soit moins dangereux pour les intervenants. Et à ce moment-là, on peut commencer à démanteler les parties radioactives. Le décalage est... Par exemple, aux États-Unis, la limite autorisée, c'est d'aller jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire qu'il faut que... Pour qu'il y ait une définition de démantèlement différé, il faut que l'opération jusqu'au bout n'aille pas au-delà de 60 ans. L'opération allant jusqu'à la décontamination du site, du terrain. Et ça peut aller assez loin, parce que si vous avez une définition, par exemple, dans le sol, il va falloir enlever la terre, etc. La troisième. Donc ça, c'est les deux options pour le démantèlement lui-même. La troisième option, c'est le non-démantèlement. On ne peut pas la classer comme une option de démantèlement. C'est le non-démantèlement qui, en américain, c'est très clair, c'est entombment.
mise au tombeau. Alors là, on enlève, donc, toujours, on enlève le combustible, parce que c'est la partie la plus radioactive, et c'est assez facile à faire, parce que c'est à l'intérieur de la cuve. Et c'est une opération d'enlèvement du combustible, chaque année, par tiers, pour réalimenter en combustible neuf. Donc on sait décharger le combustible d'un réacteur sans difficulté. Je parle de réacteurs qui n'ont pas été accidentés, c'est des réacteurs qui fonctionnent et qu'on a avec les... Si possible, plus près du micro. Merci. Plus près du micro. Oui. On aurait dit que si on mettait trop près, ça serait grésillé. Faut mettre comme ça. Il faut laisser particulièrement vivre. Et alors, on enlève le combustible en vidant, et c'est tout. C'est-à-dire le démantèlement, aller plus loin est considéré, à tort ou à raison, comme trop dangereux, trop risqué ou trop cher. C'est ça que je cite. Et à ce moment-là, on fait une structure de protection de l'ensemble. C'est l'idée du sarcophage de Tchernobyl, mais à Tchernobyl, le réacteur est accidenté. Tandis que là, on peut le faire aussi pour des réacteurs qui ont fonctionné normalement. Et on attend, mais là, il n'y a pas de limite. Donc, on ne sait pas, quand on choisit cette voie-là, on fait cette protection du réacteur. Et puis après, on ne sait pas très bien ce qui se passera dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Alors ça peut être de se donner une période suffisante, supérieure à 60 ans, en disant, bon, ce sarcophage, on utilise le sarcophage en français, peut tenir 100 ans, donc bon, on va aller jusqu'à 100 ans. Au bout de 100 ans, on peut soit remettre un autre sarcophage, le remplacer, ou bien se décider à démanteler, parce que finalement, la radioactivité... On considère que la radioactivité est suffisamment décrite. Alors après, il y a une magnifique diapositive qui montrait le plan d'une centrale nucléaire. En gros, vous avez un grand bâtiment en béton qui est l'enceinte de confinement, en béton très épais, qui protège l'intérieur. L'intérieur de l'enceinte de confinement, ce sont les parties les plus radioactives. Vous avez la cuve du réacteur en acier qui a contenu le combustible, qui par conséquent a été bombardé par les neutrons, et donc qui est un lieu de contamination, ça contient des matières radioactives à l'intérieur de l'acier. Vous avez le circuit primaire qui a trimballé l'eau qui circule, et qui donc lui aussi a des matières radioactives. Le pressuriseur qui fait la pression dans le réacteur, qui est à l'intérieur du confinement, et l'échangeur de vapeur. Donc toutes ces parties-là sont les parties les plus difficiles à démanteler. À l'extérieur, vous avez la salle des machines. Normalement, il n'y a pas eu de contamination, sauf s'il y a eu des incidents qui ont contaminé à une époque, même une contamination assez faible, ces endroits-là, la salle de la turbine et les circuits de refroidissement. Donc, normalement, la partie la plus dangereuse, c'est donc le réacteur vide, le circuit primaire, les pièces échangeurs, etc. Et l'enceinte de confinement. Alors, dans le cas de... On voit maintenant bien les trois options. Quelle est l'expérience internationale? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les 150 réacteurs qui ont été arrêtés? Vous en avez parlé des débuts. D'après les chiffres que j'ai. Alors, ce que je dois dire à ce stade, c'est que l'affaire du démantèlement actuellement est très compliquée. À la fois sur le point de vue technique, sur le point de vue des risques, et du point de vue ce qu'on fait après, c'est fondamental, avec les pièces qu'on a démantelées. Par exemple, pour la cuve, si on veut démanteler la cuve, il faut la découper. On ne peut pas transporter la cuve telle qu'elle, la sortir et la transporter, il faut la découper sur place. À ce moment-là, la méthode, c'est de remplir l'enceinte de confinement d'eau et de faire ce découpage, ou cette découpe, probablement. Cette découpe avec des machines si particulières qui sont sous l'eau et qui sont commandées de façon à partir de l'extérieur. Donc, vous voyez, donc les aspects techniques sont compliqués, les aspects risques sont compliqués parce qu'il faut savoir exactement ce qui s'est passé pour savoir s'il n'y a pas des endroits qui sont radioactifs de façon anormale par rapport au plan initial et que donc quand on va s'y attaquer, il faut avoir des conditions extrêmement prudentes. Et enfin, quand on a tout détruit, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets qu'on a accumulés et est-ce qu'on a une solution pour ces déchets? Alors aux États-Unis, en France,
on sépare la partie démantèlement, dans la définition, on sépare la partie démantèlement de la partie gestion des déchets. Vous avez des budgets particuliers, des responsabilités particulières. Aux États-Unis, le démantèlement, ce qu'on appelle decommissioning, comprend à la fois le démantèlement et la gestion des déchets résultant de ce démantèlement. Ça fait une différence en particulier sur les coûts, par exemple, mais aussi sur le plan des responsabilités. Alors, aux États-Unis, les deux méthodes de démantèlement dont j'ai parlé, pratiquement il n'y a pas eu d'entendement, sauf pour des petits réacteurs accidentés sur lesquels le combustible n'a pas pu être évacué, et donc on a fait des sarcophages en attendant que la radioactivité décroisse. Mais pour les centrales nucléaires, la compagnie d'électricité choisit sa méthode. Parmi les deux que j'ai cités, c'est-à-dire soit le démantèlement immédiat, soit le démantèlement différé. Les deux méthodes sont utilisées avec des procédures qui sont définies par l'autorité de sûreté. Mais elles les définissent pour l'une et pour l'autre. En particulier, j'ai cité le fait que le démantèlement différé ne doit pas aller de 60 ans. Et le mot decommissioning a aussi, puisque démantèlement, c'est un mot de caractère technique, decommissioning, c'est aussi la fin de la période réglementaire d'autorisation de la centrale. C'est-à-dire que la compagnie s'engage à démanteler, et c'est au bout de la fin du démantèlement qu'on dit, OK, maintenant vous avez rendu les choses à la surface, ça peut être réutilisé, donc vous êtes dégagé de toute responsabilité, puisque maintenant tout est réglé. Et il y a actuellement, 32 réacteurs de puissance qui sont soit démantelés, terminés, soit en cours de démantèlement. Et sur ces 32, il y en a 16 qui sont suivant la méthode de décon, c'est-à-dire démantèlement immédiat. Et les autres, c'est un démantèlement différent. Et en Allemagne, il y a 19 réacteurs, puisqu'ils ont arrêté leurs réacteurs depuis les centrales nucléaires, les réacteurs de production d'électricité, à partir de l'an 2000 à peu près, donc il y en a un certain. Et puis il y en avait d'autres avant qui étaient plus petits, qui avaient été aussi arrêtés, et aussi des réacteurs qui avaient été arrêtés lors de la, après le mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, les réacteurs des pays de l'Est, de la partie Est plutôt de l'Allemagne, qui avaient été arrêtés juste au moment de la réunification. Donc il y a 19 réacteurs démantelés ou en cours de démantèlement immédiat. Donc c'est un peu ces deux exemples. Il n'y a pas d'autre exemple d'autres pays qui aient vraiment fait des démantèlements. Il y a les États-Unis et l'Allemagne. Alors là aussi, vous avez deux magnifiques diapositives. La première qui montre la... Il y en a un certain nombre, mais la première, c'est aux États-Unis, où vous avez la centrale de nucléaire de Yankee Row. Et c'est une petite, 167 mégawatts. Donc... c'est beaucoup moins que les centrales que les réacteurs actuels en France, c'est 10 mégawatts, mais ça correspond à peu près comme la centrale de chaux, hein, en train d'être démantelée en France. Et là, ça a été démantelé depuis plusieurs années, et la diapo vous montre le terrain est devenu complètement. On est revenu à l'herbe, expression française, on est revenu à l'herbe, tout a été décontaminé, mais ce qui reste sur une esplanade, c'est les combustibles irradiés qui ont été mis en piscine, maintenant sont mis dans ce qu'on appelle le stockage à sec, c'est-à-dire l'assemblage qui fait à peu près 4 mètres de haut, et mis dans. Il a été refroidi en piscine, donc sa radioactivité a suffisamment décru. Il est mis dans un bidon en acier assez épais pour assurer la protection. C'est plus dans l'eau. Et on le sort de l'eau, on le met dans un bidon en acier, et ce bidon en acier est entouré d'un énorme bidon en béton. Donc le combustible irradié est donc conservé tel quel. Alors parfois on emploie la hague pour destruction éventuellement. Il est conservé tel quel. Et en attendant d'avoir un lieu de stockage hypothétique quelque part aux États-Unis, les combustibles sont conservés sur le site de la centrale, mais avec cette protection à la fois métallique, métal et en béton. Alors là, il y a une diapo aussi qui existe quelque part, qui montre assez bien l'échelle, c'est-à-dire que
le truc en béton, ça a à peu près cette hauteur, et une personne, c'est à peu près ça. Donc c'est des choses, une vingtaine de mètres, si vous voulez, qui assurent la protection. Alors, ce système n'est pas idiot, et il faut bien voir que la plupart de ces systèmes de conteneurs à la fois acier et béton, surtout le conteneur acier, une grande partie sont fournis par Areva. C'est intéressant à savoir, puisque ce procédé est considéré comme absolument inacceptable en France. Qui empêche ça de gagner du fric. Donc, vous avez plusieurs réacteurs actuellement aux États-Unis qui sont revenus à l'air. Alors, il faut voir, pour bien connaître le sujet, il faudrait enquêter de façon précise sur comment a été fait ce démantèlement. En particulier, il y a le réacteur de Main Yankee qui a été démantelé, qui a une puissance supérieure au sous-aspect de 100 proche des centrales françaises actuelles. Et bien, lui, on a des très belles photos, il y a même une vidéo, vous allez sur le net, Main Yankee, il est revenu à l'air. Mais quand on suit les opérations de démantèlement, on voit que l'enceinte de confinement en béton a été détruite à l'explosif. C'est-à-dire, vous voyez la foule admirative, parce qu'on détruit le bâtiment, comme quand on détruit une tour en France, tout le monde regarde, parce qu'on voit cette tour qui s'éteint, c'est très beau. Et là, on voit l'enceinte de confinement qui vole en éclat, un nuage qui est probablement un peu radioactif. C'est clair. Et comme on a tout ça, Barbara en parlera après, cette centrale comme modèle, il va plus par son coût. C'est sûr que c'est moins cher de faire péter le truc à l'explosif que de le décliner. Donc vous voyez, c'est pour bien comprendre tout ça, il faudrait faire un travail considérable dans l'enquête, parce qu'on vous dit, un tel a été démantelé jusqu'à l'herbe. Ok, d'abord, est-ce que l'herbe est vraiment privée totalement de radioactivité? Bon. Et deuxièmement, est-ce que ça a été démantelé dans des conditions de travail et de population, enfin, en respectant au maximum la santé des travailleurs et des populations, ou bien, surtout à une certaine époque, maintenant je pense que ça ne se ferait plus, ça ne se fait plus, on a dû trouver tout ça à l'explosif, et donc tout va bien. En Allemagne, il y a un certain nombre qui ont été démantelés, qui sont démantelés, où apparemment, pour ces centrales là en tout cas, l'aspect technique est maîtrisé. C'est-à-dire on sait démanteler tout au moins ce type de centrale. Ce qui est difficile à savoir, surtout pour les États-Unis, plus facilement pour l'Allemagne, mais moi je n'ai pas les moyens d'enquêter correctement, c'est effectivement comment ça s'est passé, quels sont les outils qui ont été utilisés, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est par qui c'est démantelé. Alors aux États-Unis, la compagnie d'électricité est responsable. D'ailleurs, la plupart sont des compagnies privées. Ce n'est pas du tout le même système qu'en France. Ce sont des compagnies privées qui sont responsables du démantèlement. Et donc, elles passent un contrat à des entreprises qui sont des entreprises de démantèlement. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout. Il y a deux types de réacteurs dans toutes ces centrales. Il y a les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à eau bouillante. Pressurisé, c'est comme ceux qui sont en France, et bouillante, c'est comme une partie de ceux qui sont au Japon, en Fukushima en particulier. Donc, ces entreprises se spécialisent dans le démantèlement des centrales. Et il y a même un système qui est assez astucieux, c'est que, je ne sais pas s'il est astucieux, mais vous voyez, ça permet de voir les différentes façons de faire. Il y a des boîtes de démantèlement, en particulier, je ne sais plus comment, parce que ça n'a aucune importance, mais Westinghouse, qui se spécialise dans le démantèlement, allié à une boîte de déconstruction, comme déconstruction d'immeubles, etc., qui se propose d'acheter la licence de la centrale à la compagnie d'électricité, en disant, moi, je vous l'achète. J'ai le temps, je vous l'achète. Et qui prend en charge le démantèlement, jusqu'à l'air. Donc, s'ils le font bien, ils gagnent du fric. S'ils le font mal, ils perdent du fric. Mais la compagnie d'électricité, n'ayant pas la capacité de démanteler, préfère s'en dégager de cette façon-là. L'autre solution, qu'on trouve aussi aux États-Unis et que celle de la partie en France, c'est que la compagnie d'électricité garde la responsabilité du démantèlement, mais de façon très générale, elle prend des sous-traitants pour le réaliser, parce que la cité, c'est un autre métier que de produire de l'électricité. Bon. Donc, elle passe un contrat, mais elle garde la responsabilité. Et en Allemagne,
C'est ce qui fonctionne actuellement. C'est la compagnie d'électricité qui garde la responsabilité, mais il s'est constitué récemment un consortium aussi d'entreprises où on retrouve Westinghouse, avec une compagnie de construction, qui propose ses services aux compagnies d'électricité. Il y a donc un contrat, la compagnie d'électricité dit voilà, démantèlement, c'est bon. Donc sur cette question des coûts qui est très importante, on viendra avec l'exposé de Barbara Romanin. Alors ce que je vais terminer sur la question des difficultés, qui explique, donc il y a une discussion qui est normale sur le choix, est-ce qu'on fait le démantèlement immédiat, avec le démantèlement des risques que ça présente, ou bien est-ce qu'on fait le démantèlement différent. En France, aux États-Unis, on a vu qu'il y avait liberté entre les deux. En France, la loi EDF, en fait, c'est l'exploitant qui décide. Donc EDF avait d'abord décidé de faire le démantèlement différent. Et puis après, ils ont dit qu'on préfère faire le démantèlement immédiat. Et ça a été confirmé, l'autorité de sûreté aussi pour le démantèlement immédiat, et ça a été confirmé par la loi. C'est-à-dire la loi française dit qu'il faut faire le démantèlement immédiat. On va voir si elle est respectée ou pas, mais voilà, c'est la loi. Et l'argument pour le démantèlement immédiat, il est de plusieurs sortes. La première, c'est de dire, si on fait un démantèlement immédiat, c'est-à-dire qu'on commence les opérations assez vite après l'arrêt définitif, une fois qu'on a enlevé le combustible, on a encore la mémoire, il y a encore des gens qui ont la mémoire de cette centrale. Et c'est très important parce qu'il faut savoir si, d'abord, d'une centrale à l'autre, même si c'est les mêmes types de réacteurs, il y a toujours des différences. Quelles sont ces différences? Est-ce qu'il y a eu des zones avec des incidents, c'est-à-dire par exemple des fuites de matière radioactive, du tritium qui sont allées dans la Terre, donc on aura un gros problème de décontamination du terrain? Est-ce qu'il y a eu remplacement de telle ou telle pièce et dans quelles conditions? Donc, garder la mémoire. Alors que ces réacteurs n'ont pas été construits du tout pour être déconstruits. Je vais vous dire à quel point je déguiderai pour l'éternité. Et donc c'est finalement très difficile de bien connaître l'équipement à démanteler. Il y a des tuyaux partout, il y a des fils électriques partout, c'est interminable. Donc cette question de la mémoire est importante. Et deuxièmement, de s'assurer que ça sera fait. Parce que vous avez sous la main la compagnie d'électricité, vous êtes sûr si c'est immédiat qu'elle va garder, elle garde sa responsabilité. Si vous envoyez les choses à 50 ans, qu'en sera-t-il de cette compagnie d'électricité dans 50 ans? Et donc vous prenez un risque que petit à petit, on dise bon, ben, on diffère, on ne respecte pas les 60 ans, bon, ben, finalement, dans 60 ans, qui va s'assurer que je ne sais pas quoi. Et troisième question, il y a le vieillissement des installations, c'est-à-dire vous pouvez avoir des parties qui se dégradent, vous pouvez avoir des trucs qui rouillent, vous pouvez avoir des animaux qui se baladent. Et finalement, si vous avez l'avantage d'avoir moins de radioactivité, vous pouvez avoir des difficultés supplémentaires du fait du mauvais vieillissement sur des dizaines d'années d'équipements qui n'ont pas été conçus pour l'éternité. Donc c'est une vraie discussion actuellement, qui a été tranché en France par la loi, mais qui peut être effectivement discuté. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est le côté connaissance de l'état de l'installation. Parce que ça, c'est vrai que je pense que si on retarde trop, on va avoir des découvertes qui peuvent être importantes. Par contre, l'autre aspect qui est important de l'autre côté, en vous avez méterniféré, c'est les risques sur le chantier de démantèlement. Vous avez des risques pour les travailleurs beaucoup plus importants dans la phase démantèlement que dans la phase de fonctionnement normal. Vous avez des risques classiques, c'est-à-dire la manutention, les risques de démolition, de découpage, de démontage d'installations électriques. Si un truc est arrêté, etc. Vous avez des risques d'incendie accrus. Vous faites des découpes avec des tesselles, etc. À côté, vous avez quelqu'un qui va manger chez toi. Donc, il y a une coordination du travail entre les différents métiers qui est extrêmement importante. Ce que vous n'avez pas du tout dans la phase de construction, en tout cas beaucoup moins, puisque dans la phase de construction, il n'y a pas de radioactivité. Donc, s'il y a une erreur, elle n'a pas du tout la même gravité. Vous avez des risques d'explosion du fait des réactifs que vous utilisez pour découper les trucs, pour en dissoudre un certain nombre, etc.
et puis des interactions, ce qui s'appelle des interactions néfastes entre plusieurs opérations menées en parallèle. Il y en a un qui démolit, qui découpe la cuve, il y a celui d'à côté qui détruit le bâtiment, et donc il y a des zones qui sont radioactives, et tout à coup quelqu'un vient travailler parce qu'on lui a dit qu'il fallait démonter un appareil électrique. Donc l'organisation des chantiers est fondamentale, et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, nous en voyons des équipes professionnelles spécialisées qui interviennent et pas n'importe qui. Je termine très rapidement sur l'exemple en France. En France, qu'est-ce qui se passe? En France, il y a la première centrale démantelée, en état de démantèlement, c'est la petite centrale à eau lourde de Brindilis, dont Michel Barzin va nous parler. Ensuite, il y a eu toute la question des réacteurs graphite gaz, dont on pourra parler un peu plus tard, après l'exposé de Barbara. Et puis, le démantèlement de choses A, qui est le petit réacteur de 150 MW à ordinaire, qui est donc du même type de centrale que les 58 qui fonctionnent actuellement, et qu'il faut suivre actuellement de près pour savoir vraiment dans quelles conditions ça se passe. Donc voilà, vous pouvez le schéma si vous voulez. Donc moi je vais vous parler un peu de mon expérience, un peu des résultats aussi de la mission d'information qui a donné lieu à un rapport parlementaire sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires françaises. C'est une mission d'information qui a été demandée par le président de la commission du développement durable en 2015, qui était Jean-Paul Changuet. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que, il commençait à attendre, puisque 80% des réacteurs français arrivant en gros à leurs 40 ans, c'est-à-dire la durée de vie initialement prévue, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de prévoir qu'il dure longtemps, c'était quand même bien de commencer à savoir comment est-ce qu'on allait s'y prendre. D'autant qu'on venait de voter une loi qui s'appelait la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui disait qu'on allait diminuer la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité en France en passant de 75 à 50%, donc ça veut dire fermer. Et donc, idéalement démantelé aussi à peu près un tiers du parc, entre 17 et 21 réacteurs nucléaires. Une mission d'information, ça comprend 12 membres et c'est composé au prorata de la présence des groupes politiques et de leur présence à l'Assemblée. Donc il y avait 6 socialistes et l'autre moitié, il y avait un communiste, des droites, je crois qu'il y avait des hommes. Pas d'écologistes parce que le groupe venait, c'est quand même important dans un sujet comme celui-là, pas d'écologistes parce que leur groupe n'existait plus. Quelques semaines avant, ils s'étaient séparés, donc n'ayant plus d'existence de groupe, ils n'avaient plus de fait, il aurait pu avoir quelqu'un, mais en tout cas, ils n'avaient pas de droit à un membre. Et tous les membres de la mission d'information, à l'exception de 2, étaient élus sur des circonscriptions sur lesquelles il y avait des installations nucléaires. C'est quand même intéressant. Donc les 2 qui n'en avaient pas, c'était le président j'ai oublié son nom, c'est le spécialiste énergie, Julien Aubert, qui est député du Vaucluse. Donc il n'avait pas de centrale nucléaire sur sa circonscription, mais il était quand même entre Marcoule et Cadarache. Et la 12e personne, c'était moi. Et donc vous savez en France que quand on a, quelle que soit son appartenance politique, peut-être à l'exception d'écologistes, mais comme je vous dis, il n'y en avait pas, quand on a une installation nucléaire sur cette circonscription, ça veut dire qu'on est pro-nucléaire. Moi, naïvement, avant, je pensais que c'était justement une situation qui faisait qu'on avait un petit peu de prévention. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. En même temps, l'objet de la mission n'était pas pour ou contre le nucléaire, mais est-ce qu'on a les moyens techniques et financiers de démanteler les installations nucléaires? Et ça concerne évidemment tout le monde, pro ou anti-nucléaire, parce que y compris pour ceux qui veulent continuer, il y a quand même un moment où il faut pouvoir faire la démonstration qu'on peut faire quelque chose de ces installations, quand bien même on voudrait en remettre d'autres après, puisque c'est quand même difficile d'ignorer qu'il y a un minimum de dangerosité. Alors, c'est moi qui ai été rapporteur de cette mission. Et pour ceux qui ne savent pas, dans une mission d'information, une commission d'enquête parlementaire, l'important c'est d'être rapporteur, c'est pas d'être président. Parce que c'est le rapporteur qui écrit donc le rapport. Alors,
on écrit ce qu'on veut, mais enfin, évidemment, comme on essaie de faire en sorte que ce rapport soit adopté, il faut quand même pouvoir faire accepter un minimum de choses aux autres membres de la mission. Donc ce rapport a été adopté. Comment il se fait que c'est moi qui étais rapporteur alors même que j'étais la seule anti-nucléaire de la mission? Alors j'étais une anti-nucléaire, comment dire, un peu social-démocrate, sage, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quand même un peu coûteux, surtout extrêmement polluant et dangereux, que par ailleurs il y a d'autres sources d'énergie qui sont à la fois propres, pas dangereuses, potentiellement pourvoyeuses d'emploi. Assez simplement, ça me paraissait un peu idiot de continuer dans cette veine-là. Et puis j'ai lu aussi, à peu près à cette période-là, deux livres qui m'ont beaucoup plu, enfin, dont un qui est le plus bouleversant que j'ai lu toute ma vie, si des fois il vous aurait échappé, mais je ne pense pas ici, celui de Svetlana, dont j'ai oublié le nom de famille, La Supplication, qui est vraiment... voilà, s'il y a deux gens dans la salle qui ne l'ont pas lu, ne lisez pas le soir avant de vous coucher, mais je vous invite vraiment à le faire. Et puis aussi celui de Michael Ferrier. Donc celui-là, c'est sur les suites de la catastrophe de Tchernobyl. Et aussi celui de Michael Ferrier, qui est professeur de littérature au Japon et qui raconte Fukushima. C'est vraiment un très très beau livre, à la fois assez contrariant, mais aussi extrêmement poétique, et qui vaut vraiment la peine d'être lu. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je n'étais pas à mes engagements principaux, mais j'étais anti-nucléaire. Alors pourquoi? Je pense parce que, je vous raconte ces trucs-là, parce que Bernard m'a dit, à juste titre, tu n'es pas hyper spécialiste de ce sujet, ce qui est vrai, parle d'où tu es, il a raison, j'étais là comme politique et comme parlementaire, donc je vous raconte aussi ces dimensions-là. En fait, je pense d'une, parce que j'ai postulé en premier, et puis parce que c'était, je vous rappelle, c'était au mois de juin-juillet 2016, et donc je pense qu'à la fois il y en avait qui étaient déjà pris sans doute par d'autres travaux, et que certains pensaient aussi, alors moi aussi, mais ça ne m'a pas réussi, à leurs éventuelles futures réélections, donc c'était pas le moment de s'embarquer dans 7 mois d'un travail de mission d'information parlementaire. Alors, cette mission a duré 7 mois, on a fait à peu près 70 auditions, dont un certain nombre de personnes qui sont à la table aujourd'hui. Quelques déplacements, beaucoup de visites aux États-Unis aussi, et la première que j'ai visitée, moi, ça doit être Shoah, parce que quand j'étais là-bas, on ne disait pas chose, mais Shoah, ça surprend un peu la première fois. Alors, quelques éléments, je crois que c'est surtout sur la faisabilité financière que je vais vous parler, mais quand même quelques éléments sur la faisabilité technique. Donc, vous savez, il y a deux parcs, l'ancien parc, donc, qui est composé des 9 installations qui sont arrêtées, les 6 graphiques gaz, Shoah, donc qui vient étant un réacteur à eau pressurisée, est arrêté et compté dans l'ancien parc. Alors il est à la fois plus petit, puisque je crois que c'est 300 ou 350 MW, et aussi parce qu'il est un peu recouvert, il est un peu dans une grotte, le réacteur de Brindis, et puis Super Phoenix. Je parle de ça parce que quand on parle de la faisabilité technique, EDF ne parle que du second parc, c'est-à-dire celui qui est actuellement en fonctionnement, les 58 réacteurs à eau pressurisée, donc ils expliquent qu'ils savent faire. Ça paraît assez vraisemblable, et je n'ai pas tellement d'arguments pour dire qu'ils ne savent pas faire. C'est des réacteurs, comme l'a déjà dit Bernard, qui sont assez standardisés, qui se ressemblent. Peut-être qu'à ce moment-là, quand on les a construits, on a un peu plus pensé au fait qu'il y a un moment, il allait peut-être falloir les démonter. Donc, à part le fait, qui n'est quand même pas anodin, que ça doit se faire en milieu radioactif, a priori, techniquement, on sait à peu près faire. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même la responsabilité sur le démantèlement de ce vieux parc. Et là, c'est peu de dire qu'il n'y a rien de rassurant. Donc, Brindis, tu en parleras tout à l'heure, mais c'est quand même vrai qu'un réacteur de 70 MW qui est arrêté depuis... si tout se passe bien, selon EDF, qui devrait être fini d'être démantelé en 2032... ça veut dire qu'il aura fallu 47 ou 48 ans pour le démantèlement, encore une fois, si tout se passe bien, alors même qu'il n'aurait fonctionné que pendant 17 ans. Super Phoenix, Bernard en a déjà parlé, je ne développe pas sur ce point. Shoah, a priori, tout devrait bien se passer, mais même si tout se passe bien, c'est pareil, c'est pour bientôt, enfin, c'est quand même pas encore fait. Et aujourd'hui, c'est assez sidérant, je ne sais pas si vous avez lu dans des revues peut-être un peu confidentielles, mais EDF se vante régulièrement du fait que le démantèlement est quelque chose de parfaitement maîtrisé à la fois sur le plan technique et financier. Peut-être, mais enfin, en attendant, force est de constater que pour l'instant, ils n'ont pas fait la démonstration, puisque absolument rien n'a été démantelé. Aucun. Donc, je pense que c'est quand même bien de se le rappeler tout le temps, parce qu'ils se vantent assez régulièrement, et qu'en plus, ils ont une attitude générale, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de démanteler. Enfin, quand on voit le nombre... de mensonges par omission, d'erreurs,
de toutes les, que ce soit Brimilis ou d'autres, qui devaient être des espèces de vitrines pour montrer comment ils savaient bien faire, alors que pas une seule fois une prévision en matière de coûts n'a été respectée, il y a quand même un petit peu de quoi s'en inquiéter. Et sur le plan technique, moi j'ai vraiment une grande expérience à un moment, c'est sur les UNGG, parce que c'est à peu près à ce moment-là, pendant la mission d'information, que EDF a dit qu'en fait ils allaient reporter à 2106 la fin du démantèlement des UNGG, alors que préalablement... C'est les graphites gaz, excusez-moi. Les 6 réacteurs graphites gaz qui sont arrêtés, les derniers, depuis la fin des années 90. Donc ça, c'est l'ancien parc. Et donc le responsable du démantèlement à EDF, qui s'appelle M. Granger, a fini par nous dire, mais c'est difficile d'obtenir des réponses, qu'ils étaient face à une difficulté technique, donc c'est bien lui qui le dit, non résolue à l'échelle industrielle. Et j'avoue que j'ai été vraiment consternée parce que qui découvre ce problème de faisabilité technique donc en 2016, aussi tardivement, alors même que le dernier réacteur de la filière avait été arrêté il y a 20 ans, que le réacteur américain de Fort Saint-Germain, qui est un réacteur qui ressemble, ce n'est pas le même, mais assez sensiblement à celui-là, avait été démantelé depuis 19 ans, que EDF avait réalisé des études sur cette question, sur les graphites gaz en particulier, pendant 15 ans, et qu'ils avaient fait valider leur stratégie par l'Agence de sûreté nucléaire, eh bien, après tout ça, ils arrivent à nous expliquer qu'en fait, non, ils ne savent pas faire. Donc, j'avoue que j'ai quand même eu une certaine surprise à ce moment-là. Mais, soit, elles ne sont pas standardisées, ce ne sont pas toutes les mêmes, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sauront pas faire sur les 58 réacteurs à eau pressurisée. Alors, sur la question financière, je n'hésite pas à me donner des coups de coude si j'exagère trop sur le temps. Sur la question financière, alors moi je ne sais pas dire combien ça coûte, j'ai aucune compétence pour faire ce genre d'évaluation. Alors j'étais évidemment heureusement beaucoup d'auditions, mais il y a plusieurs façons pour essayer de voir est-ce qu'il nous paraît, est-ce que leurs prévisions sont plus ou moins crédibles ou pas. Alors déjà il y a la comparaison avec les autres pays, et il n'y a aucun pays qui donne des évaluations de coûts qui soient aussi faibles que les nôtres. On pourrait dire qu'en France, il y en a davantage, donc que peut-être il y aurait davantage de compétences. Moi, je ne trouve pas que c'est un argument nul. Et le problème, c'est que, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, c'est que les estimations d'autres pays, en plus, il se trouve que c'est des pays qui en ont fait des démantèlements, contrairement à nous. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que EDF ou la France ne sauraient pas faire un peu mieux, mais c'est quand même dans des proportions qui sont assez importantes. C'est plutôt 2 à 3 fois moins cher. Ce qui est vrai aussi, c'est que... on ne prend pas toujours en compte exactement les mêmes choses. Bernard le disait aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est quand même un indice. Voilà, aucun autre pays ne donne des évaluations aussi basses. Or, parmi ces autres pays, il y a des pays qui ont vraiment fait des démantèlements, alors que nous n'en avons pas fait encore. Ensuite, il y a certaines charges qui ne sont pas provisionnées. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas combien ça coûte, ce que ça rajoute, mais en tout cas, je suis sûre que EDF ne les compte pas dans ses coûts. Or, il faudra bien qu'il le fasse. Il y a un certain nombre de taxes, d'assurance. Il y a la remise en état des sols, parce que Bernard disait tout à l'heure dans la définition, il y a le fait, en France on dit le retour à l'air, c'est-à-dire le fait qu'on rende le site pratiquement dans le même état qu'il était quand on est arrivé. EDF ne compte pas ça. Parce qu'ils vivent, et ça fait aussi partie de leurs évaluations de son coût, dans l'idée que, en fait, par réacteur qui serait éventuellement, enfin, un réacteur qui serait éventuellement démantelé, serait remplacé par un nouveau. Donc du coup, ça ne les oblige pas à rendre le site comme il était. Donc ça fait des coûts en moins, puis en plus, évidemment, ça fait des économies d'échelle, comme ils disent, puisqu'ils disent qu'il faut aussi des économies d'échelle, parce que vous savez, sur la plupart des endroits, vous avez au moins 2 réacteurs, souvent 4, et donc en fait, ils se disent, il y a un certain nombre de missions qui pourront être mieux rentabilisées, parce que vous auriez sur le même site un réacteur en fonctionnement, un qu'on démantèle, et puis un autre pour reconstruire. Comme si on n'avait pas voté de loi. Voilà. Bon, en même temps, EDF a eu l'habitude de fonctionner comme ça, et le pouvoir politique en place, que ce soit maintenant, avant, a rarement contesté les choix qui étaient faits, donc manifestement, il continue à vivre dans ce monde-là. Ensuite, il y a le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est en gros le taux d'intérêt qui est appliqué aux provisions, qui est le plus élevé d'Europe, c'est-à-dire le plus favorable. EDF met des sous de côté pour pouvoir procéder à ce démantèlement.
Et donc, ils prévoient que cet argent va leur rapporter une somme, mais avec un taux qui est le plus favorable de toute l'Europe. Donc, peut-être qu'ils ont raison, hein. Peut-être que c'est ce qui va se passer, on ne peut pas démontrer que c'est faux. Mais enfin, c'est quand même le plus favorable. Et puis, il y a aussi la méthode selon laquelle ils ont évalué le coût, qu'on appelle la méthode Dampierre 2009. Donc, comme vous l'avez bien entendu, il y a 2009. Or, Fukushima, c'était 2011. Donc, ça a consisté à prendre un espèce de réacteur type de 900 MW, de dire combien coûterait le démantèlement de ce réacteur et de multiplier par 58. En France, il n'y a pas en fait de réelle évaluation du démantèlement réacteur par réacteur, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des autres pays, autant que je le sache. Alors là, ça pose plusieurs problèmes. On n'a aucune prise en compte de l'historique du site, ce que disait Bernard tout à l'heure aussi. Est-ce qu'à un moment, il y a eu une fuite? Est-ce qu'il y a eu tel ou tel accident, etc. Et puis, ça s'est passé en 2009. Et après, il y a eu Fukushima et un certain nombre de règles, normalement, de sécurité extrêmement renforcées, qui sont normalement coûteuses. Alors, je vous raconte cet épisode parce que c'est vraiment très révélateur, je crois, de l'attitude d'EDF. Donc, on les voit en audition. Donc, c'est une situation orale. Hein. Je pose une série de questions. Ils répondent à certaines questions. D'autres, non. Donc, ça demande toujours beaucoup, beaucoup de vigilance. Parce que, y compris quand ça n'est pas volontaire, vous posez 10 questions à quelqu'un, il peut, même sans le vouloir, passer à côté de 2 questions, etc. Donc, on les a réauditionnés. Je leur ai posé précisément cette question. Combien ça a coûté en plus? Est-ce que vous avez pris en compte ces nouvelles mesures de sécurité, etc. Donc, il a fini par me dire oui. Je lui dis, c'est M. Granger, hein, parce que c'était lui qui disait toujours. Je lui dis, mais alors, combien ça a coûté en plus? Il me dit que c'est anecdotique, donc je recommence et je lui redemande, mais anecdotique combien? Est-ce que je pourrais avoir l'évaluation? Oui, bien sûr. Et donc, c'est combien? C'est vraiment comme ça. Je vous l'enverrai. Ah, merci, je suis contente d'avoir un document écrit. Donc après, j'écris. Je vous rappelle, c'est déjà la deuxième fois que je l'auditionne. Vous ne m'avez toujours pas communiqué, etc. Donc d'abord, c'est des absences de réponse. Et puis, comme quelqu'un a communiqué, parce que je n'avais pas à donner l'état d'avancement de la rédaction de mon rapport, mais il me paraissait civilisé et poli de le communiquer au moins à un membre de la mission d'information, qui était extrêmement présent, etc., pour avoir aussi ses retours. Enfin, il ne travaillait pas loin de moi. Et bon, il se trouve que du coup, j'ai eu des retours d'EDF, pas à moi directement, qui avaient vu qu'à de nombreux endroits, j'avais mis « nous n'avons pas pu obtenir de réponse d'EDF, nous n'avons plus, etc. » Donc du coup, j'ai fini par, pour certaines questions, par avoir un certain nombre de réponses ou d'éclairages. Mais sur ça, par exemple, jamais. Je n'ai jamais eu, alors si ça se trouve, c'est anecdotique, hein, mais je n'en sais rien. Donc je n'ai jamais eu combien ça coûte en plus. Est-ce qu'ils ont vraiment pris en compte le coût des mesures de sécurité supplémentaires qui font suite à Fukushima? Ils me disent que oui, ils me disent que c'est anecdotique, mais jamais je n'ai pu recevoir combien, et ils ne peuvent pas faire comme si c'était parce qu'ils avaient juste oublié. Et un autre exemple que j'ai trouvé aussi significatif de leur attitude, impossible d'avoir le coût aujourd'hui du démantèlement, donc pas jusqu'à la fin, on ne peut pas savoir, mais de Brennivis. Je leur demandais juste le coût au moment où on est. Et impossible d'avoir une réponse. Soit on ne peut pas, soit on ne veut pas, etc. Et je leur ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte que vous nous expliquez que vous savez évaluer le coût du démantèlement de 58 réacteurs dont aucun n'est arrêté, mais qu'en revanche, vous êtes dans l'incapacité de me dire combien vous a coûté jusqu'à maintenant le démantèlement d'un réacteur qui est arrêté depuis plus de 30 ans et qui fait simplement 70 MW. Donc, si vous êtes dans cette salle, c'est que tout ça ne vous surprend pas, mais je vous assure que pour ces sujets-là, j'ai posé la question vraiment à de nombreuses reprises et qu'ils ont continué à ne pas répondre et que, sans doute, s'ils continuent à ne pas répondre, c'est qu'ils se sentent autorisés à pouvoir le faire et qu'ils pensent qu'ils ne craignent rien s'ils ne répondent pas. Je dois m'approcher de la fin. Je vais terminer sur ça, puis après, quand on a un peu de temps pour écouter les autres intervenants et pour échanger. Vous dire aussi sur ce que j'ai trouvé assez révélateur de leur attitude, il y a des administrateurs de l'Assemblée qui travaillent avec nous, pas toujours les mêmes, etc. Et là, celui qui était avec moi ne connaissait pas plus le sujet que moi avant de se mettre dedans. Alors, enfin, c'était un haut fonctionnaire, sérieux et soucieux de bien faire son travail. Et il a été tellement choqué de l'attitude d'EDF, il n'est pas du tout militant, il n'est pas de gauche, et sûrement pas non plus militant anti-nucléaire,
Mais il était tellement choqué de l'attitude d'EDF qu'en cours de mission, il a changé d'opérateur, pas par militantisme, mais tellement il était choqué de leur comportement, de l'absence de réponse, etc. Merci de votre attention. Il y a maintenant Michel Barzin pour parler de Brexit. Bonjour, Jules. Voilà. Et donc c'est le site de Brenier, c'est à la fin du fonctionnement de l'E4. Vous voyez que c'est magnifique quand il fait beau, c'est pas tous les jours. C'est près du lac du Saint-Michel qui a été construit en 1937, pas pour la centrale, mais pour produire de l'électricité sur la centrale de Saint-Hervoix, qui tourne toujours et qui produit toujours de l'électricité hydraulique. Bon, on peut passer à la suivante. Pardon ? Hydraulique, marine. Non, hydraulique, on vide l'eau qui tombe du ciel et qui passe par le lac. Les vagues sont télécommandées, donc on a de l'électricité à l'heure où suivant la demande. Et donc ça, c'est une coupe de la centrale de L4. Qui est un prototype industriel. Vous allez voir qu'il a joué son rôle au lourd de gaz, donc refroidi au gaz carbonique, au CO2, et puis le ralentisseur étant de l'eau lourde. Actuellement, tout est démonté, il ne reste que le cœur qui se trouve au milieu, là. Je ne vois pas bien ici. Le cœur fait à peu près 4,50 m sur 4,50 m à la louche, hein, et il est entouré d'une gangue en béton dont on a parlé tout à l'heure, qui fait 4,50 m d'épaisseur aussi. Et c'est ce qui fait partie de la phase 3. Il y avait aussi dans la phase 3 les échangeurs, mais ils viennent d'être démontés dans la phase 2. Et ils ont été démontés et stockés à Morvilliers en TFA, c'est-à-dire les déchets communs, sans être décontaminés. Alors que dans les premières analyses qu'on a eues, ils contenaient du plutonium et des alpha. Bon, je vais en reparler, enfin je peux en parler tout de suite. Deux secondes, EDF fait un amalgame entre l'irradiation et la contamination. Elle ne parle que de l'irradiation. C'est ce qui l'intéresse. La contamination, c'est une faible dose, ça ne compte pas. Et donc, elle trompe tout le monde, y compris les travailleurs, sur les doses que l'on peut prendre. Et ces échangeurs qui, au frottis, révélaient des traces de plutonium, on peut peut-être passer à la diapo suivante, Basile. Oui, je donne juste l'historique, vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps, la construction a commencé en 6 TWh 235 en 10 ans. Donc c'est une mini centrale, puisqu'actuellement on fait 384 TWh nucléaire par an. Donc c'est 20 fois moins. La MAD a duré de 85 à 97, donc on a vidangé les 15 tonnes de combustible plus 45 tonnes qui étaient en piscine. Les piscines étaient chargées à bloc et on les a mis en game box sous hélium, et puis le stockage s'est fait en silo à cascade à Cadarache. Et il y a aussi la vidange de l'eau lourde de 100 mètres cubes, eau lourde épurée qui est à Grenoble et qui a été stockée à Cadarache en prévision d'une réutilisation sur les terres. Voilà. Ça a été fait en 2 ans à peu près par les gens qui faisaient l'exploitation auparavant. Il n'y a pas eu d'incident majeur, si ce n'est au moment de la sous-traitance. Vous pouvez passer, on en reparlera après, parce que bien sûr au début du fonctionnement de ce réacteur, puisque c'était l'exploitant qui faisait aussi l'entretien, on s'est trouvé très vite à bloc de doses, on dépassait les doses admissibles. Et donc, on avait embauché des gens de la navale à Brest qui ne prenaient pas du tout de doses,
et qui étaient ravis de venir travailler à Brévilis, puisqu'on était en blanc, on était en chaleur, alors au chaud, alors que à Brest, on était dans le cambouis et puis dans le froid. Quoi. Mais on leur a dit, attention, le résultat est peut-être différent, on meurt plus vite de ce qu'on prend que du cambouis. Bon, on peut passer à la suivante, vas-y. C'est là, non ? Oui, un délégué du personnel m'a demandé, dans les années 2000, de faire un sondage sur la surmortalité des anciens Brennemis, parce qu'il y a des gens qui mouraient très tôt à Huelboite, autour du Huelboite, et qui allaient travailler à Brennemis, et on n'avait pas de raison évidente, puisque aucun n'avait eu de surdose, et l'administration avait dit qu'il ne s'était rien passé. Or, ils mouraient. Donc j'ai regardé, en prenant une liste du personnel exhaustif que j'avais en tant que délégué en 83, et j'ai regardé en 2003, 20 ans après, qui était vivant et qui était mort. Et j'ai trouvé que la moitié des gens qui avaient travaillé sur le Lourdes, ils n'étaient pas nombreux, il y en avait 17, la moitié était décédée avant 65 ans. Ce qui voulait dire, or, le tritium, c'est-à-dire l'hydrogène radioactif, est considéré comme faiblement actif et de durée faible aussi, mais c'est de l'hydrogène et il passe partout. Et il passe à travers les gants en un quart d'heure, et il se trouve que ces gens-là avaient pris des doses importantes et ils sont morts, y compris le patron d'alors. Les cadres, y compris qui avaient participé au chantier, étaient décédés en 2003. Les autres personnes, on voit que la mortalité du nucléaire, si on y revient, c'est de l'ordre du double des gens qui ne travaillent pas dans le nucléaire, puisque vous voyez, c'est de l'ordre de 20%. En dessous, les administratifs, il n'y avait que 8% de décès, et les cadres, il y en avait quand même un tiers, il n'y avait pas beaucoup de cas qui étaient décédés. Donc, on voit que la contamination, les faibles doses tuent. Alors, le nucléaire est mortifère, on le sait déjà, mais y compris les faibles doses. Et EDF joue sur ce fait parce que, à mon avis, il y a une mortalité assez élevée dans les gens de sous-traitance actuellement sur les centrales, mais il n'y a pas de statistiques qui sont faites. On fait tourner au maximum. Lorsqu'ils ont des contaminations, moi j'ai eu un accident assez grave de contamination, il y avait un gars de sous-traitance avec nous, il avait un carnet vierge, et on a trouvé des produits radioactifs sur son corps qu'il avait attrapé à l'ague. Et le patron a dit, mais vous m'avez trompé, vous deviez venir ici sans rien. Et oui, mais on ne l'aurait pas embauché si on avait trouvé une trace de radioactivité. Donc on triche. Lorsque quelqu'un arrive sur un chantier, si on s'aperçoit qu'il est déjà contaminé, on le vire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de syndicat, enfin, c'est très, très difficile comme ambiance, on y reviendra peut-être. La courbe de la radioactivité, j'ai trouvé une courbe du CEA, puisque je suis délégué du personnel, donc je reçois toujours les documents du CEA. Vous voyez que sur 1 milliard d'années, la toxicité d'un combustible, on a pris un terawatt, un combustible qui a servi à faire un terawatt électrique. Donc on en fait 284 par an, il faut multiplier par 284. On a dû faire 10 000, 15 000 terawatts nucléaires depuis que le nucléaire existe. Et bien on multiplie par 10 puissance 4 et la mortalité est autour de 3 sievers par là, avérée. Et là, on arrive à 10 puissance 6. Donc l'heureux animal ou l'heureux humain qui s'approchera de ce combustible dans 1 milliard d'années sera foudroyé. Ce qui veut dire que c'est une bombe à retardement redoutable qu'on lègue aux gens qui vont nous succéder. Bon, la suivante, c'est aussi une chronologie. Donc en 1993, il y a eu une enquête publique pour retour à l'herbe, là, c'était ce qu'on appelle, pour le niveau 2. Le début des travaux s'est fait en 1997. D'abord le démontage des circuits annexes externes, ça ne posait pas de problème.
les circuits internes à l'enceinte étanche, ça n'a pas trop posé de problème. Le lourd, quand même, a été fondu en lingots à Saint-Trapeau. Et alors, je ne peux pas dire que c'est pour ça, mais l'hydrogène est un explosif. Et donc, quand vous vaporisez le tritium, puisqu'on le faisait fondre les circuits qui étaient initiés, le tritium s'évaporait. Je sais que l'ASN avait fait des remarques à CERN, avait menacé d'arrêter le four. Eh bien, elle ne l'a pas arrêté, le four a explosé, le gars qui la faisait tourner a tué. Donc, il n'y a pas actuellement de four pour faire fondre les lingots de tritium. Donc, la cuve qui reste à démonter, je ne sais pas comment on va la traiter, puisqu'on ne sait traiter le matériel tritium que par la fusion. Alors, le suivant, c'était une photographie de l'ancien DCB et du DCI qui ont disparu dans le début du démantèlement. Bon, ça n'a pas trop posé de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas eu, puisque le DCI, les cravates du DCI qui étaient contaminés ont été expédiés à Soulaine et à Morvilliers, et ceux qui étaient susceptibles de ne pas être contaminés ont comblé les trous du combustible. Or, depuis 17 ans, on pompe l'eau de la nappe phréatique sous l'ancien DCI, alors qu'il n'y a plus de DCI. Pourquoi ? On va en parler sans doute, mais EDF ne répond pas. La toxicité, il faut le dire, existait depuis un moment. Alors, le BCI, le BCB, la station de traitement des effluents est toujours en chantier. Elle n'est pas entièrement démolie, donc il s'est sûrement passé quelque chose. Là aussi, EDF n'a pas donné les raisons. EDF n'est pas tenu de donner les incidents, même graves, qu'elle a eus au cours du démantèlement. C'est l'ASN qui fait le contrôle et elle ne donne pas toujours les vraies raisons. Donc, elle en donne plus que EDF, puisque EDF ne dit rien. Alors, la chronologie suivante, après un début de chantier en travaux publics, puisque les gens changeaient uniquement de chaussures sur le chantier de l'ASD au début, on a bâti un bâtiment de confinement autour de la station de traitement des effluents. C'est la ASN qui l'a imposé, parce qu'il faut croire qu'il y avait des contaminations externes qui n'avaient pas été étonnées, mais qui existaient. Et donc, on a mis un bâtiment autour pour protéger les gens de l'extérieur. Les gens de l'intérieur, on pourra en reparler, mais à mon avis, ils étaient maltraités parce qu'on ne compte uniquement que les doses reçues, qui sont infimes, parce que il n'y a pas beaucoup d'irradiation. Mais par contre, ils respirent une poussière qui n'est pas toujours facile à respirer. Donc 400 000 mètres cubes sont déversés depuis 17 ans dans le lac de Brenillé, ce qui était propre avant. Je ne peux pas dire qu'ils le sont encore, parce que ça représente la moitié de sa contenance en 17 ans. Parce que EDF fait un mix entre l'eau qui est pompée sous le DCI, sous l'ancien réacteur et sous la STE, et rejette en dessous de 10 becquerels. Et donc, elle dit en dessous de 10 becquerels, l'eau est propre. Puisque 100 becquerels, c'est le niveau d'alerte pour signaler que l'eau est légèrement contaminée, mais on sait qu'elle contient des produits radioactifs, puisque depuis une vingtaine d'années, le sous-sol de Brenilis, on en a parlé tout à l'heure, le sous-sol des centrales nucléaires, n'est jamais propre. Ce sous-sol est rejeté dans le lac parce que là, il est dilué et ensuite il s'en va sur Châteaulin et sur Quimper. C'est un risque énorme parce que je suis sûr, moi, que le tritium est un polluant dangereux, un perturbateur endocrinien, comme on dit maintenant. Et les perturbateurs endocriniens ont des réactions
variable. On ne peut pas dire que c'est proportionnel aux doses, mais l'hydrogène qui est particulièrement volatile est particulièrement dangereux. Et l'étude, le livre blanc sur le tritium qui a été fait, a montré qu'il fallait des études complémentaires, puisque les premières évaluations qui étaient faites étaient au XXe siècle, et maintenant on a quand même des instruments plus fins. Une goutte de perturbateur endocrinien dans une piscine fait réagir les organes vivants dans la piscine. Et donc il faut évaluer à chaque fois la nocivité. Or, on sait que le tritium s'attaque au foetus et au cerveau. Et donc, chez les animaux, les expériences qui ont été faites faisaient disparaître tous les foetus parce que ça passait le placenta, ça passait la barrière du placenta et s'attaquait au cerveau du foetus. Donc, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Et on a beau insister, l'ASN avait fait la promesse de faire une étude complémentaire là-dessus. Moi, je l'ai interrogé à la dernière réunion d'ACRI, pas de réponse. Bon, je passe à la suivante. Oui, ça, c'est l'état du sous-sol qui a été fait par l'IRSN, et puis c'est un document confidentiel qui s'est perdu. Et vous voyez qu'on trouvait des doses, enfin, on ne peut pas le lire, mais... Ici, sous la STE et tout autour, il y avait du tritium, et sous le PCI, sous le réacteur, il y avait du tritium. Et ça, on le savait, enfin, moi j'ai travaillé au début au démantèlement de Brindis, et il est venu sur mon bureau un jour une coupe qui avait été faite par le BHM et qui montrait clairement qu'il y avait une fuite importante d'eau lourde dans la colonne distillée et que ça avait diffusé sous le socle granitique du réacteur. Alors après, c'est pas étonnant qu'on le retrouve un peu partout. Mais ça a été... EDF a perdu ce document. Bon. Alors c'est ce qu'ils ont dit à la commission d'enquête. Je vais y revenir quand Chantal a déclenché une commission, a arrêté le chantier et qu'il y a eu une commission d'enquête. EDF a dit à la commission d'enquête, on a perdu le document. Et c'est ce que je suis sûr que ce genre de mensonge, sur d'autres mensonges qu'elle a donné à la commission d'enquête, qu'elle s'est plantée, puisque la commission d'enquête a rejeté son rapport pour commencer le démantèlement de niveau 3, et elle est obligée de le refaire actuellement, et le chantier a été arrêté pendant 4 ans à la suite de cette plainte de sortir du nucléaire Cornouailles, parce qu'il n'y avait pas eu de commission d'enquête suffisante sur le niveau 3. Alors, le rabattement, je ne le dis pas, hein, ça fait, je l'ai dit, ça fait 200 000 mètres cubes. Oui, il y a une autre controverse, j'ai mis... on peut passer celle-là, on ne peut pas lire. Voilà. Le découpage des échangeurs, vous voyez, a fait l'objet d'un tract qui a été diffusé un peu partout par sortie du nucléaire. EDF prétend qu'on peut, on a décontaminé l'extérieur, bien sûr, mais vous voyez qu'il y a une cinquantaine de tuyaux qui se baladent à l'intérieur du réacteur et qui peut stocker des produits radioactifs, de la contamination, et cette contamination, elle est existante. Si on peut passer à la diapo suivante, vous voyez, ici vous avez les turbos soufflants qui passe dans le cœur du réacteur et qui tourne dans les échangeurs à un gros débit. Donc la contamination qui est dans le réacteur, vous la retrouvez sur les échangeurs. Alors il y avait des points d'irradiation importants sur les crosses, ici en bas et en haut. On a coupé les crosses et on a dit le reste est propre. Et EDF fait passer les échangeurs dans des détecteurs d'irradiation, on ne trouve rien puisque les alphas ne donnent rien, on ne trouve rien puisque le tritium a une très faible activité et on considère que les échangeurs sont propres et on les stocke. Ensuite, on peut passer à la suivante. Vous voyez, on met une table soudée sur l'échangeur et on envoie ensuite le tronçon
à Morvilliers. Alors à Morvilliers, on met des bâches étanches en dessous. Ensuite, on dépose, vas-y si tu veux, on dépose des changeurs. Alors on nous a invités pour l'arrivée du premier tronçon à Morvilliers. Il est là. Et il a été déposé près des échangeurs de choses qui sont ici. Eux ont été décontaminés, comme on l'a dit tout à l'heure, et celui-ci, il est complètement pourri. Et on l'a stocké comme un déchet tout à fait commun. On peut passer à la suivante. Ensuite, on met du sable par-dessus. Et puis, à la suivante, on met du gazon autour et dessus. Et c'est classé déchets conventionnels, donc déchets de 3 siècles, si je me souviens, ça revient à la nature au bout de 3 siècles. Je ne sais pas ce que nos successeurs penseront. La suivante, je ne comprends pas que l'endroit puisse se faire avoir par uniquement des détections extérieures. Elle aurait dû demander un frottis, en ouvrir au moins pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a sans doute des histoires d'argent là-dessus. On peut passer à la suivante. Oui, là, c'est la CRIRAD qui a fait des analyses. Vous voyez que le canal de rejet des effluents propres, puisque on dit comme ça quand on travaille dans le nucléaire, il avait été traité, mais il n'était pas propre, bien sûr. Était rejeté dans un canal après la station de traitement des effluents. Vas-y à la suivante. Et la CRIRAD a fait des analyses, a trouvé bien sûr des produits radioactifs dans les plantes qui étaient autour, et le CEA a redécapé le chenal qui devrait être remis à la nature maintenant. Mais il est toujours à 7 fois le niveau de radioactivité de l'environnement. Donc, herbe brune, herbe verte, on ne sait pas où ça s'arrête. En tout cas, le CEA a renoncé et a dit qu'à ce niveau-là, il ne pouvait pas descendre en dessous, ce n'était pas possible. Ou alors, on continue à creuser, mais comme il pleut dessus, ça repart. Bon, la suivante, vous voyez les deux morceaux de... Alors les gens travaillent là-dessus en chaussures, travaux publics. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'habillement, il n'y a rien. On change de godasse en sortant. Quelle contamination ils ont pris, ils ne le sauront jamais. On ne connaît pas les deux. Bon, la suivante, on peut passer. Alors, le début de démantèlement de la STE s'est fait en travaux publics, comme ça. On grattait, on arrêtait. Et puis, on en dissimulait tout autour. Lorsqu'on trouvait trop de contamination, eh bien, les gravats étaient amenés à Morvilliers ou à côté. Et puis, je suppose que l'ANSM a dit on arrête, hein, on arrête. Et on a mis maintenant à la suivante. Voilà, on a mis un bâtiment autour qui a été mis, qui a été mis en dépression. Et on peut aller à la suivante. Les travailleurs ont maintenant un masque, un narguilé, et ils travaillent avec un outil télécommandé. Ils sont quand même mieux protégés, mais il leur est quand même arrivé un accident. Parce que ce qui est stupide, c'est qu'on leur donne un délai pour le travail. Et donc ils essaient d'aller vite. Et le gars qui fait le travail a dit. On lui a demandé comment ça se fait que vous avez eu un accident. Ben, je ne voyais rien. Je ne voyais rien, il y avait un tel brouillard que j'ai défoncé le hangar. Donc la SM a arrêté le chantier et on a envie de dire à l'EDF ça sert à l'être. Ça ne sert à rien d'aller vite quand on a trop de retard. Bon, la suivante, je ne sais pas si elle va ressortir. Ah, vas-y. Enfin, bon, je vais à la conclusion parce que je pense que j'arrive au délai. Ce qu'on peut dire sur le démantèlement, je disais tout à l'heure que EDF savait démanteler,
je m'étonne. Non, c'est pas rare. On ne peut pas dire à quelqu'un vous ne savez pas faire. Il peut savoir faire si au moins on lui apprend à faire. Mais le problème, c'est que c'est Bouygues qui a eu la délégation du chantier. On lui a dit vous avez telle somme pour faire le chantier. Dans les contrôleurs d'EDF, je le sais parce que j'avais un copain qui était contrôleur EDF, venez leur dire vous travaillez trop vite ou vous ne faites pas assez attention, vous ne décontaminez pas suffisamment. Ils se mettaient où ils souhaitaient. Et puis, ils ont demandé à EDF de supprimer les contrôleurs de chantier. Et donc, c'est le moment qui était l'opérateur qui démantelait le plus vite possible et le moins cher possible. Et il y avait, et ça je l'ai vu, un avenant au contrat avec Bouygues qui disait lorsque la contamination a été mal évaluée, on peut revoir le prix. Et si bien que quand ils avaient des fuites de contamination sur leur chantier, par exemple au BCI, eh bien le prix augmentait. Et plus ils faisaient de cochonneries, et plus on les payait cher. Et donc c'est formidable, et on arrivait jusqu'à 5 strates en série de sous-traitance. Alors il est évident que le gars qui était au bout du chantier et qui était souvent un tâcheron, puisqu'on a vu des tâcherons, eh bien ne se rappelait plus de ce que c'était que le nucléaire. Donc j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un gars qui avait fait des chantiers, et les gens du Haut-Loire et des environs ne travaillent plus sur le chantier de Brunis. Donc ça ne sert à rien de dire on prend les anciens et où on prend des gens du coin, ça leur donnera du travail, parce que quand ils voient le résultat, ils se sont. Et ceux qui viennent, eh bien, c'est des commandos de l'AG ou d'ailleurs, qui sont payés uniquement pour la durée du chantier. Et encore, on m'a cité un chantier qui avait traîné trop parce qu'ils avaient eu des enduits. On leur a payé que pour le temps passé, le reste, ils l'ont fait en punition. Et j'ajouterais juste, tu as oublié de parler qu'ils ont réussi à mettre le feu dans le bâtiment réacteur. Oui, ils ont eu le feu, parce que le feu dans le nucléaire, c'est quelque chose de dangereux. Ils ont réussi à mettre le feu parce que la salle avait reproché que les déchets se perçaient parce qu'ils étaient humides. Alors ils ont fait sécher les lingettes avant de mettre dans les flux. Mais comme le produit qui venait d'être décontaminé était détonnant, il y avait un soudeur à côté qui fraisait, et bien il a fait exploser le produit et puis un peu plus, on détruisait, on faisait la phase 3 tout de suite. Puisqu'on s'est aperçu que leur stock de décontaminants était 3 ou 4 fois supérieur au droit. Pour récupérer beaucoup de produits détonnants dans la vie. Enfin, un non-respect de la législation qui est très grave. Tu as parlé d'un bâtiment de stockage de déchets, si j'ai bien compris, qui était dépressurisé. Oui. Alors, comment on fait la dépressurisation? Qu'est-ce qu'on fait du gaz qu'on extrait? Ah ben, ce sont des pompes, et il y a un filtre THE en sortie, et le gaz, on le rejette, quoi. C'est alors, il y a des filtres qui retiennent le tritium. Ah, le tritium passe à travers. Hein. Ah, voilà. Mais il y a un rejet constant. EDF a un droit comme Morvilliers. Hein. Morvilliers, ils ont un problème avec ça. Quel est l'intérêt de question parce que ça soit rejeté le gaz? Ah ben pour les poussières. Les poussières, on les retrouve à 50 km. Morvilliers, il était interdit de stocker des uranifères et du tritium. Et bien maintenant, Morvilliers a un droit de rejet de tritium, forcément, plus leur colis sur tritium. Normalement, c'est du retour à la nature. Pas de pour les déchets. Bien, Roland Desbordes pour la CTERA. Je ne suis pas spécialiste, c'est très court, hein, je ne suis pas spécialiste sur le démantèlement, je pense qu'on peut en parler pendant plusieurs fois. C'est un sujet très vaste, et merci Bernard d'avoir labouré ce terrain.
pour en parler, parce que toutes nos installations nucléaires, ils passeront un jour ou l'autre. Hein. C'est comme nous, on passera ailleurs. Donc, c'est la fin de vie, comme on dit. Bon. Alors, sur le démantèlement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, vous avez vu, Michel a bien suivi un dossier, Bernard a bien brossé un tableau global, je dirais, de l'ampleur du problème. Moi, j'ai plus suivi, alors on est intervenu à Brenilis, mais c'était très ponctuel, c'était sur l'environnement, et là j'en parlerai après. Moi, j'ai suivi plus près le démantèlement Superphénix. Superphénix, c'est dans ma région, c'est dans l'Isère, et ça a été arrêté en 1997, donc il y a 20 ans. Et ça a été arrêté, vous savez, c'est une décision de Jospin, et Voynet, etc., accord gouvernemental, etc. Donc, démantèlement, le gros du travail, ça a été d'abord de neutraliser les 5000 et quelques tonnes de sodium radioactif. Sodium radioactif, bah, ça c'était le gros chantier, qui vient juste de se terminer. Et je dois dire que pour moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on peut penser qu'une installation, quand elle est en arrêt de production, c'était le cas de Superphénix, elle ne rejette plus rien dans son environnement. Et bien là, je peux vous dire que les rejets en tritium, là on est encore sur le tritium, quand on neutralise le sodium, et bien il y a du tritium qu'on ne sait pas retenir et qu'on a rejeté. Et les rejets de tritium sur les 3-4 dernières années ont été bien bien supérieurs à ce que Superphénix rejetait quand il était en fonctionnement normal, c'est-à-dire en pleine puissance. Donc, installation arrêtée ne veut pas dire plus d'impact sur l'environnement. Il y a encore des rejets liquides, il y a encore des rejets gazeux. Ce n'est pas les mêmes, mais il y en a. Et ils peuvent être parfois très importants. Donc ça, ça a été un sujet bien. La technique, effectivement, j'ai rencontré plusieurs fois Christine Berger, qui est une anthropologue, et qui a rencontré, pendant des tas d'entretiens en tant qu'anthropologue, et sur une commande au départ de EDF, les travailleurs de Superphénix. Les 200 à 300 personnes qui travaillent là depuis maintenant 15 ans, 20 ans, et qui travaillent au démantèlement, eh bien, ce n'est pas de la tarte. Pour les gens qui travaillent là-dedans, et ça c'est intéressant dans son bouquin, qui s'appelle la Superphénix, la déconstruction d'un mythe, effectivement c'est un mythe, Superphénix. Sociologiquement, c'est super intéressant. Les gars qui travaillent là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile dans les problèmes techniques, mais c'est aussi dans leur tête. Parce que qu'est-ce qu'on fout quand on démantèle ? On est obligé de démonter et de remonter, des fois, à l'intérieur des bâtiments, des murs de protection pour pouvoir continuer le démantèlement. En fait, on fait un peu le tango, on part en avant, en arrière, on part en avant, on part en arrière, avant d'arriver au cœur du réacteur. Et là, on vient juste d'en arriver au cœur du réacteur, du Superphénix. Là, on va commencer effectivement à attaquer ce qu'on dit, les choses sérieuses. Mais je suis désolé, avant, ils ont mis 20 ans pour neutraliser ce sodium en prenant des risques. Mais ce que je voudrais, c'est surtout mettre l'accent sur les déchets. Parce que ça génère de grandes quantités de déchets. Et des déchets extrêmement variés. Ce n'est pas du tout uniforme entre les bétons, les ferrailles, les produits de fission, les produits d'activation, etc., etc., beaucoup de tritium, on s'aperçoit qu'une grande partie de ces déchets, aujourd'hui, n'ont pas de destination. Alors, certes, il y en a un peu à Morbihan, mais Morbihan rechigne à accepter un certain nombre de déchets, et c'est normal, c'est une poubelle, mais on ne met pas n'importe quoi dans cette poubelle-là, on est censé faire un tri avant. Comment trier dans tous ces déchets? C'est pas facile, c'est très compliqué, et la grande majorité n'a pas de destination aujourd'hui. Je parle pour les plus embêtants. Je ne parle pas pour les gravats presque banals. Or, et devant l'absence de solution, qu'est-ce qu'on fait dans le nucléaire? Eh bien, on crée des situations d'attente. Alors, il a été décidé, pas nous, c'est EDF, devant l'impossibilité d'avancer dans certains démantèlements, parce qu'on peut les déchets, en gros, il reste sur place pour beaucoup. À Superphénix, pratiquement tout est resté sur place. Le combustible est encore sur place à Superphénix. Et les 5000 tonnes de sodium qu'on a transformé en cubes de béton
parce que ça, le sodium neutralisé par de l'eau de la soude, avec la soude radioactive. On a coulé des blocs de béton, c'est-à-dire qu'on a monté une usine à béton à l'intérieur de Super Phoenix pour couler des blocs de béton, pour bloquer cette radioactivité dans du béton. Sauf que ces blocs de béton sont tous là. On ne sait pas où ils vont finir. Quand vous posez la question, EDF dit « on verra plus tard ». Alors ce plus tard, c'est ça qui nous intéresse, nous, la CRAN, c'est le plus tard. EDF coincé à Brenilis, coincé à différents endroits. L'action Brenilis de blocage du chantier pour une bonne raison, c'était un changement radical que nous avons fait, les associations ce recours à bloquer les chantiers parce qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Je suis désolé, ça ne se fait pas dans la société. Là, c'est ce que voulait faire EDF. Bon, donc, on l'a attaqué, on a bloqué le chantier, ce n'est pas pour le plaisir. Mais en même temps, ça a posé la question à EDF de dire, mais ces déchets, là, on n'a pas de solution aujourd'hui, il va falloir trouver une solution provisoire. C'est comme ça qu'EDF a décidé de construire, de démarrer ICEDA, installation de conditionnement et d'entreposage de déchets actifs à Bugey, dans l'Ain. Ça, c'est chez moi. Donc ça, nous, on s'est mobilisé les associations parce que nous pensons que c'était pour conditionner et entreposer, c'est bien clair, hein, des déchets actifs issus du démantèlement. Ce dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Donc c'est en attente de... Hein. Nous sommes bagarrés parce que cette installation était non conforme. Nous l'avons bloquée au tribunal administratif pendant plusieurs années parce qu'elle ne bénéficiait pas de permis de construire. EDF, c'est beaucoup de légèreté qui permet de construire, les conformités au plan local d'urbanisme. Tout ça, ça lui passe un peu au-dessus, enfin, pour connaître. Donc là, nous, on a pu l'attaquer, mais maintenant, ICEDA est en cours de finalisation, de construction. Et ce sera, on sait qu'on va recueillir les déchets issus du démantèlement. On ne sait pas combien de temps ils vont rester parce que EDF ne s'engage à rien du tout là-dedans. Ils peuvent aussi bien y rester 10 ans, 50 ans, 100 ans. Or, c'est le pire endroit pour mettre des déchets radioactifs. On est en zone sismique et inondable. La pire des choses pour les déchets radioactifs. Nous, c'est surtout sur ça qu'on dit, il ne faut pas aller faire ça. ICEDA, il ne faut pas le faire à Bugey. C'est le pire endroit. On le fait à Bugey quand même. Alors qu'on est, Bugey peut se retrouver demain sous 9 mètres d'eau suite à la rupture de barrage de Bouglan dans l'Ain. 9 mètres d'eau. Vous imaginez les déchets qui vont flotter jusqu'à Lyon. Parce qu'on est juste à un moment de Lyon. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est, et avec Bernard, on était d'accord là-dessus, c'est devant cette montagne de déchets qui n'a pas de destination, qui n'a pas de solution, mais qui a un coût. Un coût qui va coûter vraiment cher, de plus en plus cher. Parce que nous, les citoyens, on est de plus en plus exigeants. Et on a raison. On n'est même pas assez, je trouve. Eh bien, la solution qu'envisagent tous les producteurs, c'est de pouvoir les recycler. Recycler. Recycler, c'est écolo. Recycler, on parle aujourd'hui d'économie circulaire. Hein, de valorisation. Alors, évidemment, quand on parle de déchets radioactifs et qu'on parle de valorisation, c'est pas tout à fait pareil. Valoriser un déchet radioactif, ça veut dire le recycler dans le domaine public. Et là, par exemple, la Tricastin, Christine, ça me parle de chez elle, n'est-ce pas? Il y a 150 000 tonnes de ferraille, c'est-à-dire 15 tours Eiffel, qui attendent, faiblement contaminées, qui attendent qu'un claquement de doigts pour être refondues dans le domaine public. Mais il y a tous les GV, et il y en a à peu près 700 000 tonnes. On en a parlé un petit peu. C'est la pièce relativement facilement démontable dans le bâtiment réacteur. C'est là où on fait l'échange de chaleur. Mais radioactive. Donc ces GV, on les a démontés. Mais si on fait le petit calcul, encore quelques années, on en aura à peu près 700 000 tonnes. Là, on a du déchet un peu plus radioactif, déjà, que les déchets de Tricastin. Ben bon, on n'est pas loin du million de tonnes. Et là, Areva, qui est évidemment à l'origine de pas mal de ces installations, a fait son petit calcul que ça devient très intéressant de monter une fonderie à Tricastin, elle a déjà décidé de l'endroit, pour recycler ses ferrailles. Ça créera quelques emplois locaux. On va vendre un déchet. Vous vous rendez compte?
au lieu de payer 1000 euros la tonne, ou 2000 euros, ou 5000 euros la tonne pour s'en débarrasser, c'est l'ordre de grandeur quand vous êtes producteur d'un déchet de TFA pour vous en débarrasser, là vous allez vendre votre déchet. Le différentiel, il est tellement colossal. Quand on a affaire à 1 million de tonnes, faites vos calculs, vous vous rendrez compte que les sommes d'argent sont tellement colossales, et quand on sait l'état d'Areva aujourd'hui, on peut comprendre son intérêt à se lancer dans ces genres d'opérations. Donc, aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, et des associations, on fait plein de campagnes, depuis longtemps. C'est le rêve des gens du nucléaire, c'est se débarrasser de leurs déchets dans le domaine public en les diluant, en les dispersant dans notre environnement. C'est leur rêve. Depuis toujours. Jusqu'à présent, on a réussi, nous, à avoir une législation qui est stricte. C'est interdit. Et l'autorité de sûreté nucléaire, sur ce point-là, est parfaitement d'accord avec nous. Pas forcément pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, je suis d'accord. Mais sur l'objectif, on fixé, autorisé ces entreprises, c'est irresponsable de la part de l'ASN. Et alors là, je suis tout à fait d'accord. Sauf que l'ASN ne fait pas le poids. Là-dessus, je suis désolé, quand elle sera submergée, comme nous, par cette vague de déchets, quand ils vont commencer à sortir, et c'est déjà commencé. Là, il y a un dossier urgent, c'est Tricastin, sur lequel nous, on se mobilise, etc. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a la loi qui dit c'est interdit, mais en même temps, il y a la loi qui dit qu'il est possible d'avoir des dérogations à l'interdiction. Et depuis 2009, par un arrêté de 2009 que nous avons essayé, que nous avons attaqué en Conseil d'État, nous, on a perdu. Donc cet arrêté de 2009 permet, si vous êtes un producteur d'un déchet radioactif, c'est-à-dire de monter un dossier qui va vous permettre d'avoir l'autorisation de le disperser, de le diluer dans des ferrailles, dans des bétons, dans des, etc. Nous, jusqu'à présent, il n'y a pas de gros dossier qui concerne le démantèlement, mais aujourd'hui, sur la table, mais derrière la porte, je peux vous dire qu'il y en a une quantité colossale. Et cela, si on n'est pas vigilant, ils vont nous submerger tous. C'est là que je voulais attirer un peu sur ce problème des déchets radioactifs issus du démantèlement. Moi, je vois une seule solution, évidemment qui va par l'accord des exploitants, c'est les valoriser, pourquoi pas, quand on a des matières qui sont valorisables, comme des bonnes ferrailles, hein, mais quand ça reste dans le domaine du nucléaire. Alors, valoriser pour refaire des conteneurs, pour transporter des déchets radioactifs, pour faire des emballages, mais qui restent dans le nucléaire. Moi, je dis pourquoi pas. Par contre, si c'est pour être perdu dans le domaine public, c'est-à-dire on oublie la radioactivité, c'est l'objectif, on oublie la radioactivité, plus de traçabilité, et progressivement, notre environnement quotidien, ce sera la voiture, la poussette, la maison, vont monter en radioactivité grâce à cause de cette radioactivité qui va être dispersée. Et là, on n'ira jamais plus la rechercher. Parce que là, c'est fini. Voilà la direction dans laquelle nous estimons dans laquelle il faut pas aller. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Je suis de Stop Nucléaire Drôme-Ardèche, toujours la même région. Donc je vais être aussi très rapide parce qu'en fait, je crois que j'avais une petite inquiétude en venant là. Je me dis, c'est pas mal de parler dernier. Finalement, j'ai un peu peur quand même que finalement, dans une des interventions, quelqu'un nous montre que finalement, le démantèlement, ben, même s'il n'était pas parfait, c'était quand même inévitable. Ça n'a pas été dit. Et je crois que, d'ailleurs, j'ai même un petit argument supplémentaire à rajouter qui n'a pas été abordé là. Et de la problématique des transports, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui on a à peu près 900 000 colis par an de produits radioactifs sur les 15 millions de produits dangereux qui circulent en France. Il est évident que quand on va démanteler 58 réacteurs, vous imaginez l'immensité des transports de produits radioactifs avec quelque chose d'inévitable derrière. Moi, je suis chinois, je travaillais sur la région de Paris-Saint-Lazare où il y a une usine alimentaire qui a donc un portique à son entrée puisqu'ils font des boîtes de conserve. Hein.
et le portique sonne à peu près une deux fois par jour. Et parce qu'il y a un bout de métal dans le wagon qui est radioactif, parce qu'il y a quelquefois un wagon qui lui-même a des traces de radioactivité, etc. Donc on imagine, à partir du moment où on va démanteler, la déperdition obligatoire, naturelle, je dirais, des produits radioactifs sortant de tous ces chantiers, de ces immenses chantiers. Aujourd'hui, on a du métal qui vient de Russie, il y a plein d'endroits. Voilà, le métal, les déchets français vont inonder l'Europe, voire la planète, parce qu'il y aura des trafiquants, il y aura tout ce qu'on voudra par derrière. Donc c'est à rajouter à la louche de tout ce qui a été dit dans les interventions précédentes. Alors, le problème maintenant qui se pose à nous par rapport au démantèlement, c'est qu'on pouvait traiter ce problème comme on l'a un peu traité maintenant d'ailleurs, hein, en dénonçant la façon dont sont organisés les démantèlements, en montrant toutes les lacunes, en montrant tous les défauts, c'était extrêmement bien démontré par Michel, mais en se disant, bah, nous aussi on a un petit peu le temps finalement de prendre une décision. J'entends Roland qui dit, bon, à la limite, on pourrait peut-être démanteler, mais à condition qu'on réutilise, mais dans l'industrie nucléaire, etc. Le problème, c'est qu'on arrive à une situation et à un moment où l'industrie nucléaire doit faire des choix, mais nous, on doit en faire aussi. Et on a intérêt à ne pas rester trop longtemps dans les spectatives en attendant de voir comment le vent va tourner. Pourquoi c'est un moment charnière? Parce que nos 58 réacteurs ont quasiment tous dépassé les 30 ans maintenant, bien quasiment tous, hein, c'est 5 ou 6 encore pour l'instant. Beaucoup même maintenant commencent à se rapprocher des 40. Et même s'ils arrivent à les pousser jusqu'à 50 ans, on sait que dans la zone d'horizon de 10 à 15 ans, on va être confronté de toute façon au fait que ces centrales ne pourront plus continuer à fonctionner. Et que même l'industrie nucléaire dira qu'elles ne peuvent plus continuer. Et c'est à peu près tous en même temps. En plus, on est dans une échelle de temps. Là, ils ont à peu près été construits toutes en même temps. Et donc, elles vont arriver à un âge canonique et donc dangereux. Il est déjà d'ailleurs encore plus dangereux, y compris pour eux, à peu près tous en même temps. Si on ne pense pas aujourd'hui, et si nous, on n'offre pas une position alternative, on va se trouver confronté à plusieurs choses. Moi, je défends aujourd'hui pour qu'on prenne une position. Alors, plusieurs arguments. D'abord, je parle de l'argument des transports. L'argument des conditions de travail, ça a été abordé, bien entendu. C'est 80% des salariés aujourd'hui qui travaillent dans les zones contaminées, c'est des salariés sous-traitants. Il est évident, on voit bien que quand ça fonctionne, c'est déjà les sous-traitants, on voit très bien comment ça se fera, et c'est ce qui se fait après Nibis. Ce sont essentiellement des travailleurs d'entreprises sous-traitantes, et on voit, bon, moi je m'occupe du secteur du nettoyage, du gardinage par exemple, on sait très bien comment ça fonctionne dans ces boîtes-là, t'es pas content, tu dis quoi. Voilà. C'est pas les mêmes conventions collectives, etc. Deux arguments pour que nous on prenne une position. La première, c'est un argument anticapitaliste. Je sors ce terme-là, mais volontairement. Parce que l'industrie nucléaire, qui ne parlait pas de démantèlement jusqu'à maintenant, on peut se comprendre d'ailleurs qu'elle n'en parlait pas. Tout fonctionnait bien, le nucléaire c'était pour le futur, on n'allait pas commencer à parler dans les 30 dernières années qu'il fallait à un moment donné, un jour ou l'autre, démanteler ces industries. Pourquoi elle en parle maintenant? Elle en parle parce qu'ils sont en train de créer un nouveau service, en train de créer un nouveau marché, et un marché d'une extrême rentabilité. Areva, mais une quantité d'entreprises privées aujourd'hui, Bouygues, etc., des entreprises secrètes aujourd'hui, en disant des entreprises de nettoyage industriel. Aujourd'hui, vous allez sur leur site internet, le premier truc qui apparaît, c'est spécialisé dans le démantèlement d'installations radioactives. Il y a un marché capitaliste phénoménal qui va se payer sur quoi? Sur nous, parce que c'est pas EDF, c'est pas Areva qui va pouvoir payer. Il est évident que les frais de démantèlement, c'est la population globalement qui va devoir la payer, c'est l'État, grosso modo, et ces entreprises privées de démantèlement vont se faire, excusez le terme, bon, je ne vais pas l'utiliser d'ailleurs, vous voyez très bien, en or. Ça, c'est le premier argument, qui est celui de ne pas donner cette possibilité-là à une nouvelle industrie sans qu'on la conteste dès le départ sur cet argument du démantèlement. On peut dire aujourd'hui que le démantèlement n'est pas nécessaire, j'y reviens. L'autre argument, c'est un argument anti-colonialiste. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? C'est ce que soulignait Roland. Ben, on n'a qu'à regarder ce qui se passe déjà avec tous les déchets. Une partie va certes rester chez nous, ce qui pourra peut-être être un peu réutilisé. Le reste va dans les pays les plus pauvres. Là, on va trouver des petites mains pour pouvoir travailler là-dessus. Et c'est déjà le cas où une quantité de nos déchets radioactifs sont envoyés aujourd'hui en Russie, dans,
dans l'ancienne industrie nucléaire russe, et vous voyez, on a des bateaux entiers de déchets nucléaires qui partent là-bas. Et bien, tous ces déchets d'émantèlement, pour une grande partie, iront polluer l'Inde, la Chine, une quantité de pays qu'on dit émergents aujourd'hui, qui sont en fait des pays où la main-d'œuvre est pas chère, où on pourra tuer, et polluer, et assassiner, de fait, comme on l'a fait avec la Nantes ces derniers temps chez nous, on le fera avec le nucléaire dans ces pays-là. Donc cet argument-là aussi, sur le démantèlement, il est à prendre en compte, ce sont deux arguments politiques. Moi j'ai tendance à dire aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui est intervenu en disant « je ne suis pas spécialiste, moi je suis encore moins un spécialiste, j'y connais rien. Si vous me demandez ce que c'est un décret, je ne sais pas. » Par contre, je sais en tant que citoyen que le nucléaire est dangereux. Et je sais aujourd'hui que cette industrie-là, si on la laisse se développer sur le démantèlement de ses installations, elle sera encore plus dangereuse qu'elle l'est déjà aujourd'hui. Ça, c'est pour moi l'argument, qui n'est pas un argument technique, qui n'est pas un argument sur la nocivité du nucléaire en tant que tel, mais qui est un argument politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, après avoir pollué notre pays, d'aller polluer les autres pays du monde, ce qui est déjà le cas avec nos combustibles, et ce qui sera le cas avec nos déchets. Alors, quelle position faut-il prendre ? Je suis assez d'accord avec ce que dit Bernard. Il y a un inconvénient au fait de créer des sarcophages, c'est-à-dire à figer la situation locale. Et d'ailleurs, c'est ce que fait un peu l'EDF aujourd'hui, qui est de laisser un tout petit peu, un peu traîner. Quand on dit qu'on démantèle, on ne démantèle pas, et ça dure 40, 50, 60 ans. Moi, je suis pour qu'il y ait un argument politique aujourd'hui qui est de dire on ne démantèle pas. On reste, on garde sur place. Et on crée une nouvelle industrie, pour le coup, elle, qui est celle du gardiennage de ces installations, de leur entretien. On va bien entretenir, que ce soit Soulaine, que ce soit La Hague, etc. Ils sont des lieux, de fait, de démantèlement. Qu'est-ce que c'est que La Hague ? Sinon, un lieu de démantèlement, ce sont des combustibles usés, essentiellement. Eh bien, il y a du personnel à La Hague. Eh bien, sur toutes nos installations, nos 19 centrales nucléaires, nos usines nucléaires, comme Romans-sur-Isère, comme le Tricastin, etc., sur les installations nucléaires et militaires, on doit sanctuariser, bloquer ces terrains-là, ça fait certes beaucoup d'hectares, mais pas tant que ça quand même, et les isoler à vie. Et c'est un autre argument favorable pour nous, c'est que là, on va montrer au public ce que c'est que la conséquence du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, quand ils nous parlent de démantèlement, je parlais de l'argument financier, pour eux, bien entendu, mais aussi un argument politique pour les industriels, en disant, regardez, c'est pas dangereux le nucléaire, puisqu'on est capable de démanteler. On peut continuer donc à faire du nucléaire. La politique de la sanctuarisation aujourd'hui, elle est aussi intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'elle l'oblige, elle nous oblige à créer des nouveaux postes de travail, à créer des nouveaux métiers qui vont être l'entretien de ces bâtiments nucléaires, mais aussi elle montre, eh bien, il ne faudra pas sanctuariser plus que ce qui est déjà là, et qu'il ne faut pas créer de nouvelles installations nucléaires. C'est un débat. Moi, je lance ce débat. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un débat qu'on nous ne peut pas reculer très longtemps. Il va falloir qu'on prenne une position sur ce démantèlement, pas seulement une position critique sur ce qui se fait aujourd'hui, sur les lacunes de leur façon dont ils présentent ça, mais prendre véritablement une position politique. C'est un petit peu pour ça qu'on souhaitait, dans notre groupe Stop Nucléaire dans l'Ardèche, parce que nous, on est quand même avec 14 centrales, une quantité de transport nucléaire et deux usines nucléaires, installations nucléaires de base, deux usines très importantes sur Castin et Romans. Il faut dire que nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Et donc, voilà à peu près le fruit de nos débats et de nos réflexions. Je vous remercie. Une intervention qui permet de débattre. Chantal. Oui, je vais justement rebondir sur la question qui est ouverte par l'intervention de Dominique, sur la question du débat public, sur la question du démantèlement. Parce que cette question, sortir du nucléaire Cornouailles, justement après l'annulation du décret de démantèlement complet en juin 2007, l'a ouvertement posé au Premier ministre de l'époque en demandant d'ouvrir un débat public sur la question du démantèlement. On s'appuyait sur la convention d'Aarhus qui explicitement disait que le public doit pouvoir prendre une décision et elle doit être informée le plus en amont possible lorsque toutes les options sont ouvertes. Et notamment dans les annexes était abordé le démantèlement des centrales nucléaires concernant l'information au public. Et on a essayé
d'aborder cette question d'ouverture des débats publics. Il y a eu même une pétition que peut-être certains ont signée où on demandait l'ouverture de ce débat public sur la question des installations nucléaires. On l'a porté aussi en justice devant le Conseil d'État, notamment à travers un recours concernant l'ICEDA du budget, hein, où on était cette association dont la CRIRAD justement, pour cette question où on mentionnait cette question de l'ouverture du débat public. Parce qu'il faut savoir que cette convention d'Aarhus, qui était donc déclinée dans une directive européenne, quand elle s'est retrouvée déclinée dans le droit français, et dans le droit français, normalement, il y avait la Commission nationale du débat public. Et bizarrement, ils avaient exclu de cette commission du débat public justement le démantèlement des installations nucléaires. Et nous, on avait bien compris la stratégie de l'État. C'est-à-dire, c'était morceler les autorisations pour le démantèlement. C'est-à-dire que, ils faisaient centrale par centrale. Notamment, par exemple, Brennilis, justement, du fait que le décret a été annulé, du fait que la commission d'enquête a donné un avis défavorable, n'a toujours pas d'autorisation de démantèlement complet. Donc, je pense que cette question d'ouverture du débat public est importante à ouvrir, et on l'a ouverte, nous ici, finalement, là, quoi. Et je pense qu'elle serait intéressante à reposer, mais il faut savoir que l'État s'y dérobe complètement. Une question tellement bête aux experts. Vous connaissez dans un autre pays un réacteur qui a arrêté, qui n'est pas démantelé, qui est sécurisé. C'est seulement pour imaginer un peu plus la proposition. L'Italie, les réacteurs italiens. Ils sont laissés en l'état, les réacteurs italiens, il n'y a pas de sécurisation. Non, ils commencent le démantèlement. Oui, mais ils commencent en Italie. C'est pas le même. Non, il n'y a pas. Ah, oui. Enfin, je crois qu'il n'y a pas. On est dans la position aujourd'hui, ce que disait voilà, tout à l'heure, c'est ils attendent, ils laissent traîner. C'est ce que font les Américains, c'est ce que Bernard. Mais il n'y a pas une politique volontaire de dire on sanctuarise et on assure pour l'histoire. C'est mieux en les sanctuarisant. Il n'y a pas de sauf pour les rêves, parce que j'ai dit pour ceux qui sont accidentés, oui, je crois qu'il y en a quelques-uns, ceux qui sont accidentés et pour lesquels le démantèlement pratiquement n'est pas possible pendant très longtemps. Donc là, il faut vraiment les sécuriser, les contrôler, etc. Mais ça ne sert à rien de dire qu'on les démantèle, ce n'est pas possible. En Italie, ils ont arrêté le réacteur, mais ils ont fait ça à l'italienne, je suis désolé, mais on a fermé la porte en 87. Et puis maintenant, ils s'aperçoivent que ça fuit un peu partout. On retrouve du tritium dans le pot, dans les rizières, etc. Dans l'urine des gens qui habitent à côté, enfin bon, etc. Et là, ils commencent à dire, ah ben il va falloir faire quelque chose. C'est pas oui, ça. Oui, c'est un peu la question. Léo. Léo Tubax de Nucléaire Stop en Belgique. Je suis assez séduit par la proposition de Dominique, d'un côté. Mais j'ai un peu peur parce que la société française, donc battez-vous les gars parce qu'en Belgique on est très intéressé à ce que vous gagnez. Donc c'est Engie Electrabel, ils sont en train de se scissionner. Ils font de la fission de sociétés exploiteuses de nucléaire. Donc il y a une division qui s'occupe de ce qui est vert, gaz et avenir. Il y a une autre division qui s'occupe de charbon et du nucléaire. La solution, évidemment, pour eux, c'est quand on arrive à l'impossibilité de continuer à exploiter, à cause d'une catastrophe ou à cause de notre résistance, plouf, la société tombe en faillite. Et ils se barrent, les actionnaires se barrent. La solution qu'on a trouvée à cela, le mouvement ouvrier belge, je ne connais pas la situation française, c'est lors de la fermeture des mines à charbon. Les mines à charbon font des grands trous, et après, les bâtiments bougent. Mais ça peut arriver 10 ans, 20 ans, 50 ans après. Donc on a un fonds centenaire dans lequel on a fait cracher au bassinet les barons de la mine, avec la force qu'avait le mouvement ouvrier de l'époque. Et je pense qu'il faut s'orienter vers quelque chose de ce genre-là, sinon on va se trouver vraiment floué dans l'affaire. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour.
moi, juste par rapport à l'idée de sanctuariser, je pense que quand même, il y a des lieux qui sont, qu'on ne peut pas sanctuariser, qu'il faut quand même démonter, c'est toutes les zones inondables. Je crois que Roland a parlé d'Iceda tout à l'heure, que c'était scandaleux d'entreposer des déchets là où il pouvait y avoir 9 mètres d'eau. Je pense qu'on a un certain nombre de réacteurs et de sites, et malheureusement ils sont très nombreux si on réfléchit bien en France, qui sont susceptibles d'être inondés. Et donc voilà, c'est l'urgence d'enlever ces matières radioactives d'un lieu qui est inondable me semble nécessaire. Il y a des digues pour ça. Hein. D'autres questions? Je suis assez séduit par l'idée de critiquer ce qui tourne autour du démantèlement, en particulier avec cette idée que c'est démantelé, donc le problème est réglé, alors que tous les produits existent toujours, ils sont ailleurs. Et donc ça, de ce côté-là, mais c'est un truc très fort, l'idée du démantèlement, c'est j'ai fait ce placette et j'ai donc fait, je suis revenu au point de départ, et tout va bien, et on peut recommencer sur un autre site. Je crois que je suis très, très. Je pense que c'est un élément extrêmement important et qu'on a probablement été dans le mouvement anti-nucléaire piégé par cette histoire-là. C'est-à-dire l'idée qu'on allait imposer le démantèlement. Le sous-entendu était qu'on allait montrer que ça allait coûter tellement cher que du coup, on allait montrer que l'énergie nucléaire était extrêmement coûteuse et que ça allait empêcher de lancer dans cette énergie nucléaire puisqu'elle induisait des coûts qu'elle n'était pas capable de traiter. Mais en même temps, je pense qu'on a dit, on a laissé développer ce type d'idéologie. Par contre, je suis beaucoup plus pessimiste que toi sur l'idée qu'on va leur imposer peut-être des sarcophages partout. Parce que si on ne leur a pas imposé d'en mettre jusque-là, d'accord, comment on va leur imposer maintenant d'en mettre derrière? Parce que moi, il faut que j'ai été amené à aller visiter une centrale nucléaire à Chinon. Et j'ai dit, mais pourquoi le démantèlement, si vous allez faire? Et je vous promets que le directeur de la centrale m'a dit, mais à l'époque que je vais faire des démantèlements, qui va payer ça? Comment je vais rentabiliser? Quelle production j'ai qui va avec? J'ai rien du tout. Donc je ne vais pas faire des démantèlements. Et il a rajouté, je vais démanteler, je vais avoir des déchets que je vais envoyer ailleurs. Et vous allez avoir le merdier qui va y avoir pour l'autre côté. Alors qu'à Chinon, là où ils sont là, personne ne bouge. Personne ne bouge, personne ne vient protester en disant « Oh là là, j'ai des déchets radioactifs sur Chinon. » Parce que j'ai tellement habitué tout le monde à ce qui reste là depuis 20 ans que qu'est-ce qui m'empêchera d'habituer? Et donc, je crains qu'une position de notre part qui dise « On va arrêter le démantèlement » rencontre le positionnement d'autres industriels. J'entends qu'il y a des industriels qui se positionnent sur le démantèlement. Il y a aussi des industriels qui se positionnent sur le fait que je fais tourner mes centrales tranquillement et je me fous complètement de ce qui se passera sur les centrales en question. Et je crains que dans ce débat entre deux industriels, on soit en train de privilégier un par rapport à l'autre. Je ne dis pas que j'ai des solutions, mais je dis qu'il faut y avancer. En gros, je pense que cette histoire du démantèlement est un vrai piège pour nous et qu'on a intérêt à réfléchir beaucoup. Et je ne pense pas que ce soit ni sur la revendication du démantèlement à tout prix, ni sur la revendication de on ne fait pas le démantèlement et on garde sur place, parce que je pense qu'on alimente l'idée d'une forme de sécurité à OC. Je veux dire, si on dit qu'à Chinon, il n'y a pas besoin de démanteler, on introduit cette espèce d'idée que ça a bien vécu jusque-là pendant tout le temps, pourquoi ça ne continuerait pas? Enfin, une dernière chose sur l'entretien, le gardiennage. Toutes les centrales de graphite gaz, elles sont toutes gardiennées. Vous savez combien c'est d'emplois par centrale? C'est 10 emplois, même pas. Guerre plus. Non, mais c'est pas quand je parle de guerre plus, c'était pas ça. Genre, si j'ai l'occasion de toi. Non, mais en ce moment, ce qui est fait, c'est je laisse en état, alors je veux bien qu'on soit des Italiens, je pense qu'on est pas très loin, du même mode. Et donc, on a enlevé un certain nombre de matières, et ceux qui restent là. On empêche les lapins de Garenne de monter à l'intérieur parce qu'on a peur qu'ils aillent trop loin, etc. Et donc, on met des chiens à côté pour les arrêter. Et c'est, en gros, c'est de ce niveau-là. On n'est pas sur grand-chose de plus que ça. Et ça peut durer, à mon avis, une bonne trentaine d'années. Chinon est en zone inondable. Oui, mais Chinon est à 5 mètres au-dessus de la zone inondable, et donc ça ne passera pas. Chinon est au-dessus des niveaux de l'opposition. Moi, je comprends ce que tu dis. Le problème, c'est que ça,
c'est pas d'un point de vue à eux. Pour eux, c'est pas. Le problème allemand a été abordé là par Bernard Laponche. Et la grosse différence avec la France, c'est que l'Allemagne a décidé l'arrêt du nucléaire. Et là, le problème du démantèlement devient complètement différent. Notre problème en France, c'est qu'on ne peut pas débattre tranquillement de la question du démantèlement parce que la décision d'arrêt des installations n'est pas prise. Et ça changerait complètement le traitement de la question du démantèlement si la décision est prise. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une question pour... Il met le micro dans l'oreille. Alors, il y a une chose qui me paraît intéressante. Tout ce qui a été dit m'a intéressé, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que la connaissance de ce qui a été dit aujourd'hui est quand même très importante pour que les gens se rendent compte de qu'est-ce que c'est que le nucléaire. Au moment, c'est un truc qui produit de l'électricité. Un peu mieux, c'est des déchets. Un peu mieux, c'est le risque d'accident. Mais il y a en plus ce truc absolument extravagant qui est le démantèlement. Les gens se rendent compte que qu'est-ce que c'est que de démolir un immeuble. Ils ont vu ça, je ne sais pas quoi. Mais qu'ils comprennent que c'est un truc qui va durer, quelle que soit la solution qui est prise, un démantèlement immédiat, démantèlement différé, ou non-démantèlement avec sarcophage. Les trois sont extrêmement complexes, extrêmement chers, et qu'au moins ils comprennent que, à cause de ces trois choses, l'accident, les déchets et le démantèlement, la seule solution, c'est d'arrêter les frais. Même au sens strict du terme, les frais au sens strict. On ne peut pas dire, écoutez, on va arrêter la première génération, on a les 58, et puis, normalement, il faut faire tout de suite 10 EPR. C'est ça, hein, le propriétaire. Bon, écoutez, on a dit, écoutez, l'EPR, alors voilà, l'EPR, c'est les accidents, c'est les déchets, c'est le démantèlement, c'est le fric, c'est pas possible. Une espèce d'explication globale en 4 ou 5 points, dans lequel le démantèlement n'est plus ce qu'on avait un peu quand même tous dans la tête, c'est-à-dire, bon, comprenez-moi, on démolit, on nettoie, et puis, bon, ça devrait être correct. Plus on rentre là-dedans, on se rend compte à quel point c'est complexe, la technique, le coût, quelle que soit la solution. Y compris la tienne, d'un côté séduisant quand on a la pressante, puis après on se dit, attends, putain, on va faire un truc qui va tout boucher, alors il ne faut pas que ça soit en zone inondable, il ne faut pas que ça soit en zone sismique, il ne faut pas qu'il y ait des graphites, les centrales UNGG, on ne peut pas le faire parce que le graphite, ça s'effrite et donc ça devient un truc absolument indémerdable. Et donc, aucune des solutions, donc les déchets, on n'a aucune solution, les CGO, inacceptable, le démantèlement, quelle que soit la solution, on coince. Et donc, au stade actuel, c'est pas tellement de dire on a des idées très intéressantes, alternatives. C'est de démontrer à quel point l'accumulation de tous ces sujets-là, tous les sujets accidents, déchets, démantèlement, fait que cette solution est inacceptable, je veux dire, à tous les points de vue. Je pense. Demandez avant, je peux vas-y. Moi, j'appelle Linda Gunther, je viens des États-Unis, et mon association s'appelle Beyond Nuclear, et j'ai deux points. Un point, un, c'est nous avons par exemple le central à Vermont qui est fermé il y a quelques ans, et le mouvement anti-nucléaire chez nous est absolument opposé ou à Entombment ou au Safe Store, parce que c'est bien sûr une société privée, la propriété de centrale, qui ne veut pas de tout payer pour le démantèlement. Et en 60 ans, c'est complètement disparu. Hein. Alors, probablement en quelques ans, c'est failli et c'est pas là. Et nous croyons que eux qui ont profité par le centrale doivent payer pour le démantèlement. Le point numéro 2, c'est dans mon association, nous demandons pour, j'ai parlé de ça hier un peu, une sorte d'autopsie, parce que si on ne regarde pas, quand ils ferment les centrales, il faut absolument examiner matériellement
quand vous coupez la cuve, etc. Matériellement, la condition des centrales, par ça, nous aidons à lutter contre la continuation des opérations, des renouvellements des licences, etc. Ça c'est, c'est très important. Bien que je sais bien sûr que c'est très difficile d'arriver à un succès si nous demandons l'autopsie, mais au moins c'est une opportunité pour l'éducation, pour l'information, que les conditions, nous savons déjà que les conditions des centrales c'est très dangereux. Et si on peut examiner les morts, on peut s'informer sur les vivres. Et ça, c'est un très fort argument. Et dernièrement, nous avons une centrale déjà fermée en Floride qui a une pièce de la forge Creusot. Et pour nous, nous avons 17 réacteurs qui fonctionnent avec les pièces de Creusot. Et ça, c'est très important à examiner le Crystal River pour savoir si c'est vraiment une pièce faux, etc. Alors, c'est une campagne que nous lançons maintenant de demander à notre ASN équivalent de faire les autopsies. J'imagine que nous n'avons pas le succès, mais c'est un argument tout de même, je crois, très important. On peut ne pas laisser là en place et faire rien ou en tomber parce que c'est passé aux États-Unis, à Yankee Row, Maniac, ils sont tous entombés sans regarder rien. Et nous ne savons rien de la condition de ces réacteurs. Et le monde Yankee, c'est la même comme Fukushima. Alors c'est très, très important à savoir. Entombé, sanctuarisé, donc. Il vous reste pour compréhension. Je tiens à préciser, donc il y a deux personnes. Moi, j'ai deux mots à dire. Moi, j'apprécie beaucoup la formation qui a été donnée. Ceci dit, en tant que militant anti-nucléaire à Grenoble, je n'ai pas envie de faire des campagnes au sujet du démantèlement. Je pense que la priorité, c'est de sortir du nucléaire. Oui. Bon, surtout, ce débat pose vraiment la question de l'héritage industriel qu'on laisse aux générations futures, de la mémoire collective. Et je voudrais juste vous l'illustrer par un exemple de ce que j'ai vécu en allant à Fukushima en 2012. On nous a montré des portiques qui étaient en hauteur sur les collines. On a dit que ces portiques avaient été construits dans les années 1905-10 parce qu'il y avait eu un tsunami qui était monté jusque-là. Et c'était pour dire aux générations futures, ne construisez pas sous ces portiques. Et bien, 50 ans après, ils ont construit sur les portiques, comme on a eu Fukushima. Parce que la mémoire est très courte, en fait. Même s'il y a, là, il y avait vraiment des... Enfin, c'était matérialisé. Moi, je voudrais dire que ça pose aussi le problème de la communication. C'est-à-dire que tous ces débats publics, etc., ça pose le problème de la communication. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Si vous regardez ce matin, on a parlé d'ITER, c'est quelque chose qui est inacceptable, et techniquement, et financièrement. Allez chercher sur un moteur de recherche ITER et allez sur le site officiel, et vous verrez ce que ça donne. Donc je crois que là aussi, il faut que nous, on apprenne peut-être à communiquer autrement, pour que ce débat public qui s'instaure au niveau de toute la population et qu'on arrive à toucher les gens par ces questions. Parce qu'aujourd'hui, ben là, on est un peu entre nous, mais on n'arrive pas à toucher tout le monde pour que les gens se rendent compte de l'importance de ces questions. Et je crois qu'il va falloir aussi travailler là-dessus, quelle communication on peut mettre en place pour que ce débat se fasse au niveau de la société entière. Moi, j'ai travaillé au centre de recherche de l'EDR dans les années 80 et il y avait eu une idée un petit peu idiote au départ, je n'avais pas osé relever, c'était qu'on ne peut pas, il y avait des gens qui étaient très haut niveau et qui disaient on ne peut pas démonter. Donc, il fallait remplir de béton les centrales. Et des fois je disais pourquoi pas, des fois je disais mais c'est idiot si ça se fissure, etc. Et l'idée revient maintenant. Donc 25 ans plus tard, l'idée revient de se dire il n'y a pas de solution, on remplit de béton. Alors moi je ne suis pas suffisamment spécialiste dans le béton, hein, mais je trouve ça très étonnant. Je me sens un peu gêné de parler de ça parce que qu'est-ce que c'est que cette luberlue, mais c'est pas moi qui ai l'idée, hein. C'est des ingénieurs de centrales. Hein.
Moi, c'est juste de dire que ils ont pensé à ça à un moment. Ils sont en train de faire des études alors, sur la capacité du béton, combien de temps ça peut tenir sur une sorte comme ça. Le béton, c'est pas éternel, loin de là. Rien n'est éternel. C'est des RSN qui font ça. Je crois que pour avoir une idée de difficulté à laisser les centrales en état, moi je me suis passé à Saint-Laurent-des-Eaux il n'y a pas très longtemps, et on voit. De visu à l'extérieur, on voit des colonnes de rouille déjà sur la structure en béton. Bon, quand on sait qu'on va attendre 2106 pour démonter Saint-Laurent, je ne pense pas que ça tiendra. Hein. Ça va se dégrader et se détruire très rapidement. Et il y a forcément une solution à trouver rapidement pour que ces réacteurs arrêtent. C'est pour rebondir à la suggestion de monsieur. C'est vrai que pour Brennilis, nous on s'est posé la question pour la cuve. Parce que la cuve, le niveau d'irradiation, il est plusieurs centaines de sieverts. Et ils avouent honnêtement que pour la découper, on ne peut pas y aller qu'avec des robots. Et même actuellement, ils avouent qu'ils ne savent pas faire. Et donc, c'est vrai que le problème, ça serait peut-être plutôt de la laisser en place, cette cuve. Mais. Comment arriver à construire un confinement autour? Alors, je ne sais pas si c'est la solution du béton, mais ça c'est ces questions-là qui ne sont pas évidentes du tout. C'est très difficile et très dangereux de proposer des solutions alternatives. D'abord, avec des compétences, il faut des compétences considérables pour supporter le thème. La métallurgie, le béton, l'électricité, enfin, et en par contre, dénoncer, tu as deux choses, tu as dénoncé et proposer. Je pense que dénoncer tout ce qui est dit sur le démantèlement, c'est très important. Dénoncer les mensonges sur le coût, qui a fait Barbara et les contre-prototypes qui peuvent être améliorés, dénoncer sur la technique. C'est scandaleux l'histoire du réacteur graphite gaz sur lequel elle l'a dit rapidement, mais pendant 20 ans, EDF a dit qu'il n'y a aucun problème pour démanteler le réacteur graphite gaz, puisque nous allons faire comme la centrale américaine de Scorsese-Brack à la cité, qui était aussi au graphite, et qu'ils ont démantelé. Et donc ils ont dit pendant 20 ans, on va faire comme ont fait les Américains. Et moi j'ai vu que c'est effectivement démantelé aux États-Unis. Et donc l'ASN disait, c'est très bien, vous allez faire comme les Américains, donc c'est parfait. Donc il y a eu les décrets d'autorisation de démantèlement de chacune de ces centrales, chacune de ces réacteurs, avec cette méthode. Et chaque année, l'ASN faisait le point de l'avancement des travaux. Chaque fois, on disait, oui, on progresse, on va faire finalement budget 1 comme prototype de cette méthode type Forsenbrack. Il y a des photos qui étaient montrées, soi-disant des projets, qui étaient les photos Forsenbrack. Impeccable. Et en 2015 et 2016, les EDF arrivent en disant, écoutez, on ne sait pas faire. Et pourquoi, à mon avis, ce que tu n'as pas dit, mais je pense, c'est que EDF, comme d'habitude, a fait un appel d'offres. Puisque le réacteur qui est démantelé à chaud A, celui dont a parlé Barbara, c'est Westinghouse et Onet. Vous connaissez Onet Énergie? Onet, c'est parti le nettoyage des locaux. Maintenant, ils sont démantelés. Westinghouse et Onet, ils démantèlent sous l'autorité d'EDF. Donc EDF, pour le réacteur graphique du UGA, a fait un appel d'offres. Ça, on en est sûr, ils l'ont dit. Je pense que la réponse à l'appel d'offres a été tellement chère. Pour des raisons de fric, peut-être des raisons techniques, mais des raisons de fric, ils ont dit, on va attendre un peu, on attend 2060, 2070, peut-être que d'ici là, on aura trouvé. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est à la fois les mensonges dont a parlé Barbara, leur incapacité à faire un certain nombre de choses, et donc de démontrer que la confiance, qui est quand même assez générale dans le public vis-à-vis de l'EDF, l'EDF, c'est le grand organisme, que sur ces affaires-là, c'est la catastrophe, à la fois technique, dangereuse, la sûreté, et financière. Je ne sais plus qui le disait, de toute façon, c'est nous qui payons, parce que il vaut mieux d'ailleurs que ce soit le budget de l'État qui paye plutôt que EDF, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui payent des impôts que d'abonnés à EDF. Mais dénoncer tous ces trucs qui sont inacceptables.
Je pense qu'on va obligé de conclure, puisqu'il y a le témoignage des travailleurs qui doit commencer à 7h30. Et donc, il est presque l'heure. Je pense que. Il n'y a juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien, ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.